Salut, salut à toutes et à tous, salut les amis, salut, salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, la famille Nathalie Doutre, comment vas-tu la sœur? J'espère que tu vas bien, salut, salut, tranquillou, ça va, bien, tranquille, ouais, Shoota et Jacking, le frérot, comment vas-tu mon frérot? Shoota, ça va, tranquillou, Nathalie, la sœur, Corto, mon frère, comment vas-tu? Ça va bien, tranquillou, le frérot. Ouais, apparemment, Maria, ouais, en fait, j'avais pas vu ton com au départ, quoi, mais oui, exact, il manque un live, quoi, un truc, ouais, voilà, quoi. Mais voilà, Maria va faire 3-4 retouches et bah, va nous remettre ça, bah, nous expliquera, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être des vidéos, des trucs, enfin bref, voilà. Swan Gerib, salutations distinguées, Swan Gerib, comment vas-tu? Ça va bien, tranquille, la famille, j'espère que tout le monde va bien chez toi. Nathalie, ça va, tranquille, merci beaucoup, oui, ça va bien, pépère, tranquille, le chat, ça se passe super, ouais, les amis, ben là, vite fait, tu dis, ouais, allez. C'est le moment de faire un petit live tranquille avant d'aller se coucher, dormir comme un thé. Comme dirait ma grand-mère, elle me le disait d'ailleurs, et je ne me souviens pas de ce qu'elle disait, mais on s'en fout, ma grand-mère, quoi. Allez, les amis, plus sérieusement, bien entendu. Alors, il s'est passé un petit truc là dernièrement. Tom, tom, tom. Ah, ouais, yes, ok, mec. Dangereux ça. Ouais. Il y a un mec donc il y a un truc qui est sorti en fait. Il y a des photos de Naïma Gilal donc torturée. Naïma Gilal, vous vous souvenez de Naïma Gilal, on avait parlé d'elle quand elle avait disparu, on avait même fait un live avec son nom, Naïma Gilal, blablabla, c'était il y a 2 ans par là à peu près, tout cassé, peut-être même un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, à peu près, quoi. Elle avait disparu et elle a été retrouvée. Voilà, elle a été retrouvée en bon état, en bonne santé, quoi. Ouais. En fait, elle s'était perdue, quoi. Ouais. Elle savait plus où elle habitait. Une branche d'arbre s'était cassée, était tombée sur sa tête. Elle avait perdu la tête. Je savais plus. Elle était rentrée chez un type qui était à moitié starbé aussi, comme elle, qui croyait que c'était sa femme. Et pendant 2 ans et demi, ils ont vécu ensemble, quoi. Jusqu'à qu'elle tombe du lit, paf, sur la tête aussi, et qu'elle se dise, mais non, je suis imaginaire, là, qu'est-ce qui s'arrive? Non, déconne. Non, mais bien entendu qu'elle n'a pas été retrouvée ou quoi que ce soit. Par contre, en fouillant l'un des téléphones de Ridwan Taghi, la police, donc, en gros, dit qu'elle a retrouvé plusieurs photos de Naïma Gilal, quoi. Naïma Gilal nue et torturée, quoi. Ouais. L'un des big boss, l'un des patrons, l'un des top boys de la Mocro Mafia, donc, qui est poursuivi déjà pour de nombreux, nombreux, nombreux assassinats avec à peu près une petite vingtaine de ses collègues dans le cadre d'un procès qui va avoir lieu bientôt. Ce big trafiquant qui est Redouane Taghi, donc, à l'époque, forcément. On s'était dit, ouais, il y a peut-être des chances que Ridwan Taghi soit derrière l'enlèvement de Naïma Gilal, vu qu'ils étaient pas très copains, quoi. Mais en fait, oui, non, quoi, en fait, pourquoi pas. C'était pas si évident que ça, quoi. Elle était, elle, avec le clan El Fechtali. Et les Elfechtali et les Taghi n'étaient pas copains, quoi. Donc, voilà. Elle, c'était quand même une jolie femme, hein. Très jolie femme. La quarantaine, on l'a surnommée la marraine, la tia, la tata. Et la marraine, donc, aurait disparu fin 2019, quoi. Il y avait soi-disant des trucs qui tournaient sur Internet par rapport à elle. Mais un téléphone BlackBerry retrouvé à Dubaï lors de l'arrestation de Ridwan Taghi, qui a été ouvert, qui a été farfouillé, qui a été désossé, déboîté. Enfin, je veux dire, des types ont... Putain, je marche mal mon casque, quoi.
Je salopard. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Des fois, je ne sais pas si ça vient de mon casque. Je crois que je vais devoir en changer, quoi. Je crois qu'il commence à déconner. Mais il y avait eu des recherches par rapport à elle, tout ça. Mais par rapport au téléphone de Tanguy, putain, de Tanguy, là, ils ont pu retrouver donc des photos de Naïma Gilal assez compromettantes, quoi. On la voit donc nue, attachée à une chaise, ou encore en gros plan, au moins un gros plan de son torse, quoi. Avec ses bzzels, avec ses nichons, quoi. Avec un pouce ou un doigt, apparemment, qui a été coupé, quoi. C'est sûrement un de ses pouces ou un de ses doigts, quoi. Ouais. Et qui a été posé sur son ventre, quoi. Ouais. Et jusqu'à présent, donc, elle a toujours. Elle est considérée comme personne recherchée et disparue, quoi. Elle faisait de grosses affaires, c'était quand même quelqu'un, quoi, aux Pays-Bas. Et en mars 2021, à une période, on avait retrouvé, si vous vous souvenez, des vêtements et un sac à main qui avait été enterré près d'un dépôt, ou à côté d'un dépôt même, carrément, quoi. Dans un dépôt même, encore plus carrément, à l'intérieur, dans un dépôt, quoi, dans un entrepôt, donc, du port d'Anvers, quoi. Qu'un chien a verniflé un truc, les chiens ont des pifs de fada, quoi, et ils avaient retrouvé, donc, sac à main, etc., etc., quoi. Et, pour la police, ouais, il s'agissait, bien entendu, de ses affaires, quoi, y a pas de souci. Mais ce qui est hallucinant, c'est que quelques temps auparavant, est-ce que peut-être elle-même a été enterrée là, quoi. Il faudrait peut-être tout casser, je sais pas, fouiller partout, quoi. Parce que c'est peut-être un peu comme un signe, quoi. Pourquoi je dis ça, quoi? Tout simplement parce que trois, quatre, cinq, six mois après sa disparition. Quatre tonnes de cocaïne vont être découvertes dans cet entrepôt. Ouais. Et Naïma a disparu depuis déjà cinq, six mois, en fait. Ouais, cinq, six mois, en gros, plutôt. Ouais. Est-ce que quelqu'un a voulu, voilà quoi, en gros, lancer un message. Tiens, les gars de ton entreprise, les gars qui sont avec toi, vous nous avez dénoncé, vous nous avez baisé, pour être plus poli, vous nous avez grillé la gueule. Ok, 4 tonnes de coco, de la pure. On parle en produit pur, peut-être pas la super frappe, la méga méga frappe. En Colombie, mais ici, c'est de la quadrulofrappe. Ouais. On s'est fait pécho, 4 tonnes 2, ok. Mais quelques mois après, on retrouve les habits de Naïma. En gros, pour dire, ok, elle a disparu, ça vous fait chier. Ok, ça vous fait chier. Vous nous faites tomber 4 tonnes 2. Ben, regardez, hop, ses habits sont là, quoi. Ce qui veut dire qu'elle est morte. Ouais. Donc, bien entendu, l'organisation de Ridouane Taghi, qui n'était pas forcément en bon terme avec peut-être l'organisation de Naïma Gilal et d'autres, ouais, d'autres anciens qui appartenaient à d'autres groupes, qui se font la guerre, quoi. Taghi et son organisation font la guerre à des anciens qui eux-mêmes, certains s'étaient fait la guerre, et en gros ils ont fait un peu la guerre aux rescapés, quoi, en disant,
certains se sont entretués, ils sont affaiblis. C'est le moment ou jamais de tous les éliminer, de les faire sortir et voilà quoi. Sauf que certains avec des grosses alliances, quoi. Vous allez comprendre que c'est, on va pas fracasser des types, une équipe comme ça, alors que ils sont en affaire ou en alliance avec des types d'autres pays qui sont eux-mêmes très puissants, quoi, et qui contrôlent des zones assez importantes. Là, le contrôle, c'est simple, quoi. C'est le contrôle d'Anvers, c'est le contrôle de Rotterdam. Si tu contrôles les deux ports, t'es le champion du monde. Alors que, putain... Oui, celui qui contrôle les deux ports, Anvers et Rotterdam... quand je dis contrôle, je veux dire, c'est pas le maire de la ville, quoi. Ouais, je suis là, coucou. J'ai été élu maire de la ville, votez pour moi. Chacun aura un gramme gratos tous les week-ends, quoi. Ok, merci, c'est sympa. Ouais. Non. Le contrôle, comme certains contrôlaient le port de Marseille dans les années 80 et 90. Une partie des années 2000, peut-être, surtout, enfin bon, surtout 80 et 90, ça. Et une fratrie très très connue et réputée qui tenait le port, mais c'était hallucinant, quoi. Il sortait tout ce qu'il voulait, quoi. Il faisait peur à tout le monde, ce qui fait que tout le monde avait peur. Ouais, voilà, quoi. Ils ont tellement sorti que au bout d'un moment, plus personne n'allait sur le port de Marseille, plus personne ne voulait, aucune assurance ne voulait assurer quoi que ce soit. Là, il s'agit pas du vol, quoi. Au contraire, je pense que tout le monde va sur Anvers et sur... purée, c'est quoi ça? J'ai un livreur, il a pris la poussière, quoi, je sais pas quoi. Pour ça, tout le monde va sur Anvers et Rotterdam parce qu'il n'y a pas de vol. Pourquoi il n'y a pas de vol? Parce que on veut éloigner la police d'enquête, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on fait passer des tonnes de matos qui, purs, vont être transformés et vont faire en sorte que c'est pas 50 ou 80 tonnes de cocaïne qui vont arriver, ou 150 ou 180 par an. Mais après transformation, après réglage, après tatatataf, tu peux en faire tintin, bonbon et compagnie, quoi, selon quelle qualité de... Tu peux même transformer ça en une autre drogue, carrément. Enfin bref, voilà, quoi. Avec un kilo de cocaïne pure, en fait, tu peux faire plein de choses, hein. Voilà, on va pas expliquer ça ici, c'est pas le bon endroit, mais non, faut pas parler de ça, d'ailleurs, c'est interdit, quoi. En tout cas, tu... Voilà, quoi. Et il y a des sous, quoi. Il y a des sous. Ouais. Moi, quand je vois des types, je sais pas, des types qui disent « Oui, tant de tonnes se sont fait avoir, ça correspond à tant d'argent, vu que c'est tant, le truc, le machin. » Non, non, ça marche pas comme ça. Et des fois, elle arrive en plus en pasta, faut la remettre en cocaïne. Ou des fois, elle est en cocaïne, on en multiplie par 5. Ou des fois, on la transforme en autre chose, pour faire autre chose, quoi. Enfin bref, enfin bon, voilà, quoi. Voilà. Et il y a peut-être même des labos pharmaceutiques et autres qui font appel à ce type de produit-là, ouais. Qui est un anesthésiant hyper puissant, quoi. Donc, bon... L'avocat, bien entendu, là-dedans, l'avocat de Ridwan Taghi, qui est le cerveau présumé du clan le plus imposant, important de la Mocromafia, du côté d'Amsterdam, a fait comprendre que les photos retrouvées attendent à prouver, bien sûr, que Naïma Gilal aurait été enlevée, quoi, torturée et assassinée par leurs clients, quoi, et ses complices. Alors, ils disent, eux, que d'un point de vue médico-légal, on ne sait absolument pas d'où viennent ces téléphones ou ces photos, ce téléphone en l'occurrence et ces photos. On ne peut pas non plus dire que ce téléphone peut être lié à leurs clients, assurer l'avocate du cerveau présumé de la Mocromafia.
lors de son procès. Donc, ce lien et cette origine ne sont pas fixes. Il a déjà été rapporté dans pas mal de médias que de telles photos circulaient. Apparemment, moi, j'ai cherché sur le net. Non, je déconne. De plus, en fait, tout cela n'a rien à voir avec les faits allégués. Il est très remarquable que cela ait été mis en évidence de cette manière, a ajouté Inès Veski, l'avocat de Ridouane Taghi, quoi. Oui, mais non, quoi, parce que le téléphone, apparemment, est bien à lui et a été attrapé à Dubaï et il semblerait qu'ils aient mis du temps à essayer d'ouvrir, de savoir ce qu'il y avait dedans, tati tataf, et hop, pim poum, ils tombent sur des photos. Ouais. Alors, est-ce que ceux qui les ont mises, ces photos, est-ce que ceux qui ont mis les photos, pardon, je sais pas quoi, c'est possible, mais bon, je pense pas, quoi. Je ne pense pas. Ouais. Excusez-moi. La famille, hein, le RIF, ancien Amsterdam. Comment vas-tu, frérot? Oh, Omar Efad, comment vas-tu, Omar? Ça va, tranquillou? Ouais, Salem, comment vas-tu, Salem? Jenska, oh yo, Jenska, comment vas-tu, mon Jenska? Ça va, tranquillou? La famille va. J'espère que la famille va bien, quoi. Ouais, tu vois, j'espère que ça va. Tu me tiendras au jus d'ailleurs, quoi. Malik Drissa, salam l'équipe, Swan, re-Swan, Lars Aet, comment vas-tu, Lars, mon frérot, tranquille, ouais. Ouais, Malik nous dit, des news de Taghi. Oui, il est en prison. Swan nous dit, effectivement, ça doit faire des sous, quoi. Ouais. Malik nous dit, grosse saisie en Allemagne, il y a 2 à 3 jours, quoi. 4 tonnes, il me semble. Carlito 974 est avec nous. Yo, mon frérot, comment vas-tu? Salam alaikum, mon frère. Ça va, tranquille. Ça va, ça se passe. Oh, tranquille, la famille. Oh, bah, super, la fafa, super. 4 tonnes, attends. En Allemagne, attends. Le clan Osmani, si c'est du côté, si c'est dans un port, si c'est un port fluvial, si c'est Hambourg, je vais te dire la famille Osmani, quoi, mon frérot. Ouais. L'Osmani, apparemment. Ils se seraient rangés du côté de la Mokro. En même temps, ils sont proches de Semyon Mogilevich, mais non, tout est possible. On sait qu'il y a, depuis quelque temps, au niveau de la cocaïne, qui est un peu comme un peu dans le braquage, il y a les fourgons blindés et les centrophores. C'est-à-dire que les braqueurs de fourgons blindés et de centrophores, c'est le top du top des braqueurs, quoi. Tu sais, c'est la noblesse. La noblesse des braqueurs. Actuellement, le milieu de la mafia, c'est beaucoup les stupes. Voilà. Et la cocaïne, c'est le top du top. C'est aussi les grands seigneurs des stupes. Et donc, les grands patrons qui sont dans la cocaïne sont considérés comme le top de ce qui se passe actuellement en Europe, vu que les stupes, c'est pratiquement le numéro un. La cocaïne est numéro un des stupes. Si t'es un champion dans la cocaïne, t'es un champion dans le milieu. En gros, en France, les mafias, en Europe, les mafias ou les mafias étrangères qui s'installent, ou etc. etc. Tous ceux qui sont majoritaires ou pas et qui sont en Europe, leur truc, bien entendu, c'est la cocaïne, quoi. Pour tous ceux qui sont tout en haut et qui ont les moyens d'investir, parce que là, on parle en tonnes, en quantité assez hallucinante, des trucs qui font planer, des chiffres qui font, mais c'est hallucinant, quoi. Et là, donc, c'est pas n'importe qui peut rentrer là-dedans, qui arrive, qui dit, moi, j'ai 500 000 ou 1 million, là, on te rit au visage, enfin, on rigole, quoi. Tiens, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, va plus loin avant qu'on te charcle la gueule, quoi. Et oui. Donc, que font les plus grosses pointures des plus grosses teams des mafias ou des clans ou tous ceux qui sont proches des cartels, qui ont leur qui touchent la main au cartel ou qui ont des collections? Là, comme il s'agit de grosses quantités, on ne parle plus d'une connexion avec des passeurs qui passent ça dans une voiture à coup de 100 kilos, ou dans un petit paquebot, un petit
c'est un petit bateau, machin. Non, là, on parle, c'est des 4, 8, 10, 12 tonnes qui arrivent et qu'il faut cacher, 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 et qui passent par les plus grands ports, quoi. Donc, celui qui tient Amsterdam, celui qui tient Rotterdam et Rotterdam et Anvers, si c'est la seule et même organisation, ces gens-là ont gagné au loto. Ça passe chez eux, c'est eux qui te protègent, c'est eux qui protègent tout ce qui rentre, c'est eux les champions. Avec les Calabrais à côté de ça, ils ont un port, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Alors attendez, excusez-moi, j'ai reçu un message. Message de Emmanuel Macron, quoi. Emmanuel Macron qui dit, Jojo, comment faire pour rentrer et s'abonner sur Fréquence Radio. Il dit, écoute, t'es un connard, dégage de là, quoi. Alors, je ne peux pas avoir Macron ici, les amis, vous comprenez bien. Attendez, excusez-moi. Ouais, merci, ouais. Ouais. Et ouais, donc salut, salut, Jenska, ouais. Ah, c'est pas Jenska, ça. Ah, c'est un faux Jenska, quoi. Ouais. Pas beau, ça. Il y a plein de faux types qui arrivent, quoi. Allez jouer ailleurs, quoi. Fais autre chose, quoi. Allez vous gratter les couilles, vous masturber de face de chibre que vous êtes, quoi. Stokelo Rosenberg. Yes. Comment vas-tu, mon frérot? Ça va bien, tranquillou, la famille? Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Ouais, Malik Drissa qui nous dit, en France, il n'y a pas beaucoup de grosses têtes dans la rock. Ouais. Ça, c'est un truc de Hollandais, de Belges. Il y en avait à l'époque. Hein. Il y avait des gars qui importaient, quoi, qui travaillaient directement avec les Calabrais, hein, des Perpignanais, des gars de Montpellier. Perpignan-Montpellier, ils étaient forts là-dedans, quoi. Mais ils vendaient direct 95% de ce qui leur tombait, on va dire, tataf. Ils étaient directement en lien avec Ndrangheta, quoi. Ouais. Ils faisaient passer ça en Italie. Voilà, quoi. Ils s'arrangeaient, quoi. Fingerhurst, Lortal, et t'avais putain une grosse tête, comment il s'appelle? Il s'est fait pécho il y a pas longtemps, ça faisait 10 ans qu'il le cherchait, et ils l'ont chopé il y a 2-3 ans, quoi. Un gros patron, quoi. De Perpignan, quoi. Ouais. Poids lourd, hein. Le type, il était parti en cavale pendant plus de 10 piges en Amérique du Sud, quoi, ou de là-bas, tu sais, il dirigeait tranquille son bis, quoi, avec des types à Perpi, quoi. Il vendait pas dans le coin, il vendait plus loin. Tu sais, comment il s'appelle, lui? Ah, purée, j'ai oublié son nom, enfin, bon, ça me reviendra peut-être, quoi. Oui, Malik Drissa nous dit la Mocro Mafia commence vraiment à rivaliser avec les grosses mafias italiennes. Ouais, au sujet de la cocaïne, en tout cas. Si on continue à tenir Rotter et Anvers, je crois que tout le monde va devoir nous manger dans la main, quoi. T'as des types, j'essaye avec le Havre, quoi. Ok, avec le Havre. Sauf qu'avec le Havre, compliqué, quoi. Compliqué, la police, la douane française, ça rigole pas, quoi. Puis c'est pas pareil, quoi. T'as aussi le port, bien sûr, en Calabre, l'un des plus grands ports d'Europe, qui malheureusement est l'un des ports les plus vides, que ce soit vide dans tout, quoi. Ça, re-Esman, re-la serette, oui, merci beaucoup. Yes. Ah ben, la bise à la famille, quoi. Hein. Boussa à la famille. Et j'espère que tu vas passer une belle soirée à la Sorette. Merci. Voilà.
Joyotoro, ouais, ça s'écrit pas construit comme ça, ouais, mais voilà, c'est ça, Jijiao. Joyotoro. Mégaport, ouais, on a souvent parlé. Ils ont palpé quand le port a été construit. Non, mais c'est bien, Malik. Au moins, t'as essayé de retenir. T'as retenu, quoi. T'as retenu le nom, mon frère. Et c'est pour ça que tu mérites 4 kilos de merguez stradalou. Ouais, voilà. Mais c'est bien, t'as retenu, mon frère. Je t'en prie, Osman, ma soeurette. Je t'en prie, la famille, quoi. Eh ben, justement, Malik, Joetoro, c'est super méga surveillé, quoi. Et ils auraient aimé les Calabrais, tu sais, que ça soit un port qui, en gros, devienne un peu une sorte de Rotterdam méditerranéen, quoi. Que ça fasse de la concurrence à Naples, à Gênes. Bon, Marseille ne fait plus de concurrence à personne. À Barcelone, peut-être à Valencia, à Malaga, c'est plus petit. Là, voilà. Mais ça rentre bien, quoi. Ça rentre très très bien. Mais Joutoro, il est énorme. Les Italiens, ils ont fait un port énorme. Andrangheta, elle a touché sur les travaux publics. C'est-à-dire qu'un port énormissime comme celui-là, où pendant des kilomètres tu vois rien du tout, pas un bateau, il y a peut-être un bateau au fond. C'est-à-dire, pour aller d'un bateau à un bateau, tu sais quoi, il faut y aller en voiture, quoi. C'est avec une voiture rapide, quoi, en plus, hein. Sinon il te faut 3 jours. Le port est énorme. Il est considéré comme le plus grand port d'Europe. C'est un truc de dingue. Mais c'est aussi le port le plus vide d'Europe, parce que la Calabre est considérée comme une zone occupée par une mafia, une entité criminelle, qui en fait, ben, l'État italien ne fait rien, quoi. En fait, on peut pas dire, Ndrangheta, c'est fini la fête là. Non, Ndrangheta, elle est là. Tu vas là-bas, tout le monde se chie dessus. Ils ont mangé sec pendant la construction. Et en plus, ils contrôlent le port. C'est-à-dire qu'ils se font construire un port par l'État, c'est cool. Mais en plus, ils palpent du pognon. En plus, ils mettent leurs entreprises en avant. Leur entreprise, elle gonfle les prix. C'est-à-dire que le port, il coûte 2 fois plus cher que ce qu'il aurait dû coûter. Et en plus, ce port, il est là pour les servir à eux, quoi. Mais comme on dit, la vie est belle. La vie est belle, quoi. Tu connais, toi? Peut-être, Malik, beaucoup de mafias ou de gangs criminels, tu sais, qui peuvent se faire payer un port par l'État de cette taille, en plus. Il n'y en a pas, quoi, en fait. Même en Chine, au Japon, il n'y a pas de saisie de cocaïne à Marseille. Non, il peut y en avoir. Elle vient d'Afrique du Nord, peut-être. Ouais, elle est discrète. Elle a tellement peu que... voilà, quoi, il faut attention à Marseille, c'est des professionnels. Mais le truc, c'est que ça part pour l'Italie, quoi. Quand ça, voilà, enfin, le port n'est plus contrôlé comme avant. Sur Marseille, il est surveillé, tout ça, mais c'est pas. Je veux dire, si tu cherches du travail, c'est pas là-bas qu'il faut aller, quoi. Il y a déjà une liste, hein, voilà, il y a déjà des centaines, des milliers de types, qui ont tous le permis cariste, ceci, cela, Docker, machin, bidule, ils sont prêts à... Ouais, nous on est là. Ah, attendez, un jour le port, il va remarcher, vous allez voir. En l'an... Voilà, dans un autre millénaire, enfin j'en sais rien, mais bon. C'est dommage, mais voilà, en même temps... t'as été gars en place, quoi, type, il rigolait pas, hein. Il rigolait tellement pas que quand ça s'est un peu emboucané, il y a quand même le patron des Dockers qui a disparu, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit rentrer avec sa voiture dans le port et des caméras partout, il n'y a aucun endroit pour ressortir, quoi. Aucun. Ou si, peut-être qu'il y en a un, mais pareil, il y a plein de caméras, des chips, tatataf. La voiture est rentrée dans le port avec le chip. Il ressort pas, on le cherche, on dit, bon, mais attends, il y a sa voiture quand même, il y a le chip. Arrête, minette.
ils veulent sortir le soir maintenant, quoi. Il n'y a plus de respect chez les chats. Et type introuvable, quoi. Et sa voiture, pareil, quoi. Donc, on a même sondé le port avec des petits sous-marins, tu sais, tatataf, walou. Mais le type, il sortait ce qui... Ouais, il a disparu, complètement disparu. Hein. Ouais. On sait pas où il est, quoi. On a tout fouillé, enfin, on a... Bon, pas moi, mais je veux dire, ils ont tout fouillé, quoi. Ils ont fouillé, on a fouillé les rebords, les trucs à l'intérieur, tataf. À mon avis, ils l'ont mis dans un... Pour autant, il y a des caméras partout, quoi. La dernière caméra qui peut le voir, elle le voit à un endroit. Il doit ressortir ailleurs. Il ressort pas. Bon, où est-ce qu'il est ? On pensait qu'il était dans le port, quoi, tu sais, la voiture et tout, quoi. Mais ils ont fouillé avec des sous-marins, des plongeurs, des ceci, des cela. Il n'y a rien. Non, il trempait pas dans la coque à l'époque, mais à l'époque, il sortait de tout, quoi. Il y a des magnétoscopes, des... Non, il n'y avait pas de coque ou de drogue. Si, il y avait peut-être, mais c'était pas ça qui les intéressait. Si le port a fermé, c'est parce que pratiquement tous les bateaux étaient fouillés. On sondait le port, exact comme un vétérinaire, on était taf. On a vu la célèbre, c'est quoi, c'est la sardine de géante de Marseille, on l'a trouvée, quoi, en fait. Elle était morte, qui bloquait le port, quoi. La sardine qui bloquait le port, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais enfin, non, je sais pas. Mais rien, quoi. Mais c'est quand même assez hallucinant, quoi, de voir que actuellement t'as donc des organisations qui se mettent d'un côté et d'autres de l'autre, et qui disent voilà, nous on veut redevenir la Ndrangheta, on veut redevenir les champions de la cocaïne. Et là en plus t'as une partie des Siciliens qui les accompagne. On se souvient, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur Fréquence Radio, apparemment, d'après certaines infos, Diabolique aurait discuté avec, non pas avec Settimo Mineo, quoi, mais qui était considéré comme le numéro un avant son arrestation de Cosa Nostra. Mais Diabolique est devenu le véritable patron de Cosa Nostra, quoi. Et lui, il se serait entendu avec des cas de la Stida pour faire la protection. Il se sera entendu avec des cas, un des clans les plus réputés, le clan de Stefano, pour faire la... La surveillance, la protection du matos et tout, et il se sera entendu avec les Calabrais pour faire rentrer le matos, quoi. Et Matteo Denaro Messina est prêt à, avec le clan de Stefano, qui est Calabrais, donc Calabrais et Sicilien, donc, serait prêt à faire une grosse organisation avec certains napolitains, pas tous, pour lutter contre un clan qui est devenu hyper puissant, et peut-être des Anglais de Gibraltar, qui, eux, tiennent le port de Southampton. C'est important de tenir les ports. Robert Downes et ses amis de Gibraltar, dont on a beaucoup parlé, qui avaient travaillé une époque avec Alain Coëlier et le petit Alain, et avec d'autres pointures anglaises de Gibraltar, qui font un peu le pu et le beau temps, hein, du côté de Gibraltar, et du côté d'une partie sud de l'Espagne. Ils sont en lien avec les clans gitans, les Los Castañas, les châtaignes. Ils sont, voilà, avec le clan gitan des châtaignes, espagnols, clan espagnolo, gitano, andalou, les châtaignes. Et d'autre côté, en fait, t'as aussi les Irlandais, qui eux sont avec Mogilevich, qui eux sont avec la Mocromafia, qui eux seraient avec des Bosniaques, et qui s'entendraient avec certains, napolitains aussi. Ouais. Et on parle aussi de Monténégrins de leur côté.
Alors que les Siciliens, et quand je dis les Siciliens, je parle de Cosa Nostra, d'une partie de Cosa Nostra, et je parle de la Stida, qui sont en lien et sont prêts à faire la paix avec ceux avec qui ils faisaient la guerre, c'est-à-dire des anciens du clan Inzerillo, de Totucho Nzerio, le puissant patron à l'époque, avec les Badalamenti et les Bontate, ils sont tous prêts à faire la paix parce qu'ils savent que sinon ils vont se casser la gueule et ils vont devenir une organisation non plus de première mais tu sais quand tu entres une organisation ouais, je me souviens plus du nom, là, je cherche un nom précis d'un truc. Enfin, voilà, ils risquent de perdre, peut-être pas leur statut, mais ils risquent de perdre beaucoup, quoi. Oui, les Irlandais, ouais. Comment ils s'appellent? Les Finian, ouais. On voit beaucoup avec. Ouais, le petit Alain à l'époque avait. Être en brouille avec des malfranglais pour des histoires de CC, bien sûr, c'est pour ça qu'il est mort. Hein. Avec. Comment il s'appelait là Barrington. Barrington, je crois qui fait assassiner le petit Alain, quoi. Un truc comme ça qui couchait avec sa femme, en fait, quoi. Le temps que le petit Alain il aille au placard pour 4 tonnes 6, 4 tonnes 7. Charrington, voilà, putain, je cherchais son nom, ce colo. Charrington aurait branché la femme du petit Alain, et voyant que le petit Alain aurait du mal à se faire rembourser, à rembourser, pourtant il aurait pu, hein, quand le petit Alain se fait charcler, mais va savoir, quoi. Charrington, peut-être il a reçu des menaces du petit Alain. Le petit Alain lui a dit, espèce de salopard, t'as couché avec ma femme. Déjà, la coque, tu peux oublier. Et si je t'attrape, je te crève. Dans cette histoire, il semblerait que le petit Alain s'était rapproché de certains de la brise de mer, quoi. Ouais. Donc, des jeunes pousses de la brise, tels Alexandre Vitini. Alors Alexandre Vitini, on le retrouve dans une autre histoire où on retrouve Karim Achoui, quoi. Ouais. On va passer donc de la Mocromafia Karim Achoui par le biais de Alexandre Vitini, en passant par Alain Coëlier, quoi. Une histoire de femme, surtout que le Rosenberg, comme pour la Mocromafia avec Naïma Gilal, une autre histoire de femme. Et on retrouve une femme, deux femmes même, dans une autre histoire, celle de Karim Achoui, grand avocat pénaliste, qui va tomber un jour de septembre, le 22 septembre 2007. Ouais. Mais avant ça, bon, on va continuer à parler un petit peu de la Mocro, parce que la Mocro, ouais, il y avait des clans qui étaient en place. Tu avais le clan de Samir Bouyakrishan. Bon, ça, il nous l'a déjà bien bien expliqué. Bouyakrishan, qui était allié à une époque avec le clan de Moustique Fechtali. C'est même Fechtali qui était l'ami pour lequel travaillait Naïma Gilal. Fechtali, donc, et son ami Bouyakrishan, quoi. Vont s'emboucaner avec d'autres personnes, Naoufal Fassi et le clan de Gwynedd, je vais dire Gwynedd Paltrow, quoi. Avec le clan de Gwynedd, alors Gwynedd, le nom est un peu. Voilà, Gwynedd Martha, quoi. Enfin, avec le prénom Gwynedd, c'est vrai que ça apporte un sourire, quoi. Mais à l'époque, il fallait pas lui dire en face, hein. Alors, pas lui faire comprendre, quoi. Ouais.
Ça va chauffer, quoi. Ça va chauffer. À partir du moment où ça chauffe, t'as beaucoup de cam qui tombent, quoi. Mais c'est la cam du copain qui, d'un seul coup, n'est plus un copain. Et t'as 200 kilos de CC qui disparaissent. On en avait déjà parlé avec les amis. On a notre frérot qui passait souvent et à qui j'envoie le grand célèbre. Et qui va bientôt passer nous faire un bon petit truc quoi sur ça quoi sur la mocromafia quoi. Il va nous faire un bon truc dessus quoi et il m'a dit laisse-moi un petit peu de temps frérot je fais des trucs mais taf ça va le faire quoi. Et là ouais ça avait pété quoi. Qui va profiter de tout ça petit à petit quoi. Quand les guerres commencent, que les morts s'alignent, et petit à petit, y a une organisation plus petite qui va devenir beaucoup plus importante et qui va. Il va y avoir des alliances qui se font, quoi, qui vont se créer. Bouya Krishen, dont le frère Karim reprend l'organisation en main quoi quand Samir se fait flinguer quoi. Karim, Bouya Krishen et Mustapha El Fechtali vont reprendre l'organisation avec à leur côté, donc, comme on l'a dit, Naïma Gilal, quoi. Et le clan représenté par Ridwan Taghi va leur faire la guerre, quoi. Dans un premier temps, il est avec Gwyneth Martha, ça part dans tous les sens, quoi. La Ndrangheta dans tout ça. La Ndrangheta, comme on dit, elle cherche à se relancer, quoi. Mais le truc, c'est que pour eux, à une époque, la Ndrangheta, elle tenait en partie, où elle était bien en place dans le port d'Amsterdam, dans le port de Rotterdam et dans le port de Anvers. Mais la Ndrangheta, petit à petit, bien entendu, les Morocco, Hollandais, les Marocains, la Mocromafia, elle se rend compte que, attends, c'est chez nous, quoi. Les types, ils te disent, là, t'es chez nous. C'est pas des Calabrais qui vont faire la loi sur un territoire où la Mocromafia et le crime organisé flamand et hollandais, qui s'entendent tous les trois, des motards, etc., etc., qui sont bien avec des Anglais. Qui commence un peu à. Les Anglais qui eux-mêmes faisaient du trafic de cocaïne, mais qui étaient menacés par la Ndrangheta qui voulait à un moment tout tenir, quoi. À une période, il y a une vingtaine d'années, la Ndrangheta, c'était 80% du trafic de cocaïne en Europe. Ça passait par eux. 80%. Le chiffre est vérifiable, vérifié et véridique. C'est énorme. Depuis que la Mocromafia est montée en puissance, ça a servi beaucoup, 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 dont des mafias de l'Est de l'Europe. C'est pour ça que Semyon Mogilevitch a su se placer et a été un peu considéré, vu les pouvoirs qu'il a et vu le soutien du FSB et vu le fait que il serre la main à Poutine, ça fait que pour certains, voilà, qu'on dit mec, ça va quoi. Mais que des gangsters qui travaillent avec un type qui est proche de Poutine, forcément, ça va intéresser d'autres services que la DEA. Que les stupes, que etc. etc. Parce que Mogilevitch, ok, la drogue ça m'intéresse, mais ce qui l'intéresse peut-être, c'est ceux qui tiennent le port d'Anvers et de Rotterdam. Parce que tu peux faire rentrer la drogue, mais lui un jour il peut demander à faire rentrer autre chose.
C'est un peu comme si le FSB, si demain Mogilevich fait partie des gens qui tiennent Anvers et Rotterdam, et pour l'instant il est allié avec eux, c'est comme si qu'il est tenu. C'est un peu comme si le FSB tenait Anvers et Rotterdam. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais ce n'est pas du complotisme, croyez-moi, je ne suis pas le seul à y penser à ça. Ouais. Je vais chercher. Alors, attendez, il y a le frérot tout à l'heure qui nous parlait de 4 tonnes, d'une prise de 4 tonnes en Allemagne. Attendez, je vais relire un peu. Je vais venir sur le chat, excusez-moi, la famille. Ah, merde, ouais. Ok, yes, yes, yes. Ah, ok, mon frérot. Alors attention, Pépito 06, yes, 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 des Irlandais, Pépito 06, comment vas-tu mon frérot? Alors attends, yes, ouais, Pépito, merci, ça fait plaisir de te voir Pépito, comment vas-tu frérot? Ça va? Salut, yes, yes, on demandait à la mafia pour débarquer, oui Pépito, pardon mon sang au chat, salam, une joie de live, ça va mon frérot? Ouais, c'est plaisir de te voir. Ouais, j'avais pas vu ton message sur... ça va bien, tranquillou? Ah, attends, excuse-moi, quoi. Attends, c'est bon. Et les Irlandais, ouais. Pas seulement les Travelers, mais les anciennes Lyra ou des... Jenska, si c'est toi là, c'est... non, c'est pas Jenska, quoi. Y a personne qui pouvait le gicler, quoi, qui avait la moto, hein, plutôt que de laisser Marine Le Pen hein, sur le truc. C'est pas grave. Ouais, ils ont mangé pendant la construction, bien sûr, ils ont détourné des fonds, ouais, pour dire au taureau, ouais, 100 000 qui bloquent le port. Alors, c'est une métaphore sudiste bien connue, ouais, exactement, ouais. Les Anglais, ils sont chauds en Espagne, ouais, exactement, Malik, surtout bah, du côté de Gibraltar, où on a la plus grande concentration, en gros, les Anglais de Londres, de Birmingham, de Manchester, de Liverpool, de Newcastle, de voilà, tout ça, ceux qui réussissent bien, hop, ils vont à... ils finissent à... c'est le top du top, quoi, des Anglais, qui finissent à Gibraltar, quoi. C'est les meilleurs, hein. Ouais, ils tournent dans les grosses affaires, le gros blanchiment, et après, ils font venir un peu tout ce qu'ils veulent, quoi. Oui, de coq et de shit avec des marins grecs, hollandais... British, enfin bref. Et les Irlandais, bien sûr. Ouais. Le petit Alain, il était là-dedans, quoi. Il reste un show, le petit Alain, putain. Petit Alain. Assassiné en 2010. J'avais discuté avec sa fille, quoi. Ouais. Sur le blog de quelqu'un de connu, de réputé. À l'époque, ouais, on discutait avec elle, avec un frérot, quoi. Ouais. Elle était même passée sur une émission, c'est une grande blonde, quoi. Vingtaine d'années à l'époque, donc trentaine d'années aujourd'hui, quoi. 25 ans peut-être à l'époque, 35, 36 aujourd'hui, un truc comme ça, 37. Elle était venue discuter sur une émission 7 à 7 sur TF1, quoi. Ouais, on parlait de son père, tatataf. Elle nous disait, mon père vous lit, quoi. Elle dit, ouais, mon père, il aime pas trop ce que t'écris. Ah, j'ai dit, putain, j'espère. Au début, je croyais que c'était une blague. Elle dit, ouais, mais attends, t'es qui, toi? Tu me dis, bon, ton père, tu sais quoi? Je dis, bah, je suis la fille d'Alain Coëlier, tatataf. Bon, ouais, ah bon? Ouais, ok. Ouais, Malik de Divitini était condamné pour la tentative de fourgon à Toulon en 2001, quoi. Ouais, il me semble qu'ils ont tous été relâchés, quoi. Vicini en 2003, il me semble qu'il est à Fresnes avec Doumé Bacini, quoi.
Ouais. Et Vicini, il était en 96 avec Alain Couellier. Ça, c'est sûr, quoi. Dans les Caraïbes, quoi, et pas loin de la côte guyanaise et vénézuélienne, quoi, ouais. Ou surinamienne, tout ça, quoi. Ouais, ils attendaient quelque chose, quoi. Ils attendaient quelque chose. Et les bateaux, il y avait des trucs sur les bateaux, quoi. À un moment, tu sais, t'as un gros bateau qui arrive, il y a un radar, enfin pas un radar, il y a un satellite ou je sais pas quoi qui l'aperçoit, quoi. Ou un radar peut-être. C'est à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Hein. Et il voit que le petit bateau, le petit yacht de Coelier, il reste quelques heures amarré à ce grand bateau-là, à côté, quoi. Et là, on se dit que la drogue qui était sur le gros bateau, 3 tonnes 7, c'était la plus grosse prise à l'époque en France. C'était énorme, 3 tonnes 7. Quand j'ai lu ça, j'ai tombé par terre. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai vu ça quelques années après, quoi. Je pensais pas qu'on avait chopé un truc aussi gros en France, mais si, si. Je m'étais dit, ouais, quand même. T'as des types, ils sont dans des. Mais déjà à l'époque, t'avais des types, ils travaillaient dans des quantités énormes. Il y en a une qui a été attrapée. Ouais, mais bon. Ouais, Benidorm, c'est un peu. C'est pas le QG des grosses têtes anglaises, mais Coelier, il était à Benidorm. Quelques Anglais étaient à Benidorm. Ouais. Ils sont plutôt à Gibraltar, hein, chez eux. Ils préfèrent le sud, bien plus au sud. Hein. Benidorm, c'est au sud de Alicante. Et c'est joli, Benidorm. Les belles, la plage, c'est propre, les gens sont gentils, quoi. Ouais, les gens sont très gentils. Bon, si t'es fracassé, que tu dors dans ta voiture sur le front de mer ou sur la plage, ils te virent, quoi. T'as dit ça, va combattre ailleurs, mec. Il dit, attends, vas-y. Laissez-moi dormir 1 heure encore. Il dit, non, non, dégagez de là, quoi. Il dit, ok. Ouais, putain. Winnette, ouais, Martha. Ouais. Attends. Attends, je me demandais si c'est lui qui a dit déjà écrit SVP déjà quand... Mais qui a écrit ça? Voilà. Va voir un truc. Qu'est-ce que c'est tout?
t'es qui, mec? Moi, je te connais pas, quoi. Je, quel lien? Y a pas de lien, quoi. Moi, le truc, je le fais tout seul. Moi, je vous connais pas, Freddy, le complot, mec, t'es qui, quoi? Ouais. Pépito, tiens, au fait. Voilà. Au fait, voilà ce que je te disais. Taf. Ouais, je parle. Alors, comme je t'ai dit, tu vois, mets-moi un truc que je vois ta taf. Ouais. Le tien après sa dernière carte, ça a été vite fait, bien fait à Nantes. Ensuite, il était reparti en Espagne pour donc jamais revenir. Ouais, bah donc. Ouais, exact. Ouais, Stockel Rosenberg. Bah, il était sorti, on va dire que ses potes, moi, ce que j'avais écrit à l'époque sur le site, et ça lui avait pas plu, quoi. J'avais trouvé bizarre qu'ils prennent 4 ans et demi de prison pour 4 tonnes 7 à l'époque, hein, en plus. Hein. Surtout qu'il est multi-récidiviste. Ouais, mon pépito, mon frère. Ouais, tu as vu, si tu vois des types, frère, je compte sur toi, mon ami, mon frère. Si tu vois des types qui font les shows, les cow-boys, tu leur mets un coup de mitraillette, on les dégage direct, la famille. Hein, merci, mon frère. Merci, la famille. Ça me fait plaisir de te voir, quoi. Je peux avoir confiance en toi. Et voilà, t'es un bon, la famille. Ah merde, ça peut aller pas trop, les soucis, c'était pour ma maman, oh là là, ok mon frérot, mais j'espère que ta maman, ça va aller bien quoi, ouais, force à elle, force à toi frérot, alors attends. Un coup de mitraillette, et Longhi Souros avec une grosse quantité de CCA a emporté pas mal de secrets dans sa tombe. Eh oui, Moustokelo. Ouais. Tiens, après sa dernière incarcération était venue. Ouais, exactement. Attendez, excusez-moi les amis, je fais un truc 2 secondes, vous allez voir, ça va être vite fait. Regardez, en plus, comme si que le temps de se gratter le nez, pour ceux qui veulent se gratter le nez. Je regarde juste un truc, hop. Voilà, fais voir, hop. Yes. Stockelo, mon frérot, Stockelo. Voilà. Allez, modérateur, Stockelo, t'es un ancien, la famille. Ça fait longtemps que tu viens. Eh oui, Pépito, j'espère que tout va s'arranger, mon frère. Comment ça va? T'en fais pas un truc. D'accord. Alors attends. Attends, tu vois, ça va être vite fait. Je vais te répondre. Va te faire enculer, toi.
Mais que ça veut dire quoi? Vas-y, gicle dans la toile. Attendez, je suis en train de bloquer un enculé, quoi. Attendez, y a-tu qui a écrit Vive Marine, là? Oh, bonsoir, les amis, excusez-moi, je suis en train de bloquer, je suis qui a écrit Vive Marine, etc. Vas-y, casse-toi de là, tu vas voir ta gueule, quoi. Tu vas voir Vive Marine. Tu me fais Vive Marine à moi? Tu viens chez moi, t'écris Vive Marine. Casse-toi de là, quoi. Et vite, quoi. D'ailleurs, je vais m'intéresser à toi, voir si t'as qu'à jouer au con. Si des fois j'apprends des trucs, je te jure, ça va te faire bizarre, quoi. Vas-y, casse-toi de là, quoi. Partout. Attends, excusez-moi, j'essaie de voir si... Oh, il y a des fadas, quoi. Voilà, super. On n'a pas le temps avec des trucs du cul. Là. Putain, il me fait perdre du temps, ce connard. Excusez-moi. Ouais. Il est bien, il écrit... voilà. Alors, on va parler de Karim. Ouais, mais attends, Dani, salut Dani Ferreira, on va parler de Karim Achoui parce que son histoire, elle est énorme, quoi. J'étais en train de gicler les gens qui nous mettaient du Marine Le Pen, je sais pas quoi, là, et conneries et compagnie, ça prend du temps, quoi. Donc voilà, c'est bon, tout va bien, Stokelo, Pepito, Gentifé, la famille, vous avez... l'arme nucléaire, si vous voyez un trou du cul, nous mettre Vive Marine ou je sais pas quoi, giclez-le à coup de mitraillette, quoi, qu'ils viennent pas de vous emmerder, ces gens-là, quoi. Ils sont bien contents pour monter, mais qu'ils aillent se faire voir ailleurs, quoi. Ouais, Pepito, courage et force pour ta maman. Ouais, courage, courage, mon frérot, quoi. Oui, c'était plus haut, quoi. Alors, on va parler donc de Karim Achoui, quand même, qui a... Allez. Ensuite, tu dégages. Je regarde si elle peut... Ok. L'histoire donc de Karim Achoui.
Les amis, donc, dans un premier temps, il est accusé d'avoir participé à l'évasion d'Antonio Ferrara, quoi. On dit que par le plus grand des hasards, mais bon. Mais avec plaisir, mon frérot, et ça fait longtemps que je pensais que c'était fait, même pour Pepito, même pour voilà, y a Mohamed Ben Ferra aussi, je crois. Il faudra que j'y mette, pareil, j'ai oublié, quoi. J'oublie la famille, mais ça me fait plaisir parce que vous êtes des belles personnes et j'ai confiance en vous, et voilà, quoi. Merci à vous. Karim Achoui, donc. Karim Achoui, donc, est accusé donc d'avoir participé à l'évasion de Ferrara. Il semblerait même qu'on lui ait donné le rôle de top départ. On lui a mis ça sur le dos. Karim Achoui est le top départ de l'évasion de Antonio Ferrara. Sauf que, et ça va lui causer beaucoup de problèmes. Ça, il va passer au tribunal, il va perdre son accréditation, son truc d'avocat, il va tout perdre, quoi. Sauf que il dit quoi à l'époque? Enfin, cette histoire est reliée à une autre histoire d'assassinat, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu l'assassiner. Et là, par contre, ça va être beaucoup plus long. On va en parler un tout petit peu là, mais je vais faire un gros live sur cette affaire parce que cette affaire, elle nous ramène quand même jusqu'à Michel Alliot-Marie, qui est à l'époque. Ouais, salut Hassan. Re Hassan, ouais, super, frérot, bien manger et tout. Ça va tranquille, quoi. Tu en manges jamais assez, quoi. J'ai encore faim, quand je te connais. On parle un peu de la Mocro et on parlera encore de la Mocro après. Mais on va venir sur Karim Achoui, vu que les amis, tu sais, ils disent, ouais, Karim, il parle de Karim. Ok, tranquille, pas de soucis. Comme tu dis, s'il te plaît, ça. Parce que là, comme tu dis, t'attends quoi pour parler de Karim Achoui, ça fait un peu, tu vois. Alors que, gentillesse, s'il te plaît, etc. Mais ok, je vais te faire plaisir. Dany, tu vas voir, ça vaut le coup, quoi. Karim, le seul truc, quoi. On l'a accusé de trois choses par rapport à l'évasion de Antonio Ferrara. On dit que. Il y a trois points à partir desquels donc il est accusé quoi. Lui dit évidemment à tort quoi d'être complice donc de l'évasion donc d'Antonio Ferrara qui fut à un moment le client de Karim Achoui quoi. Alors pour en gros les motifs sont Achoui est mis en examen pour avoir soi-disant donc divulgué dans un premier temps. Pour avoir divulgué à l'entourage de Ferrara que lors de l'une de ses extractions de prison, pour être auditionné devant le juge des libertés et de la détention, la sécurité qui avait été mise en place au tribunal serait faible et permettrait une éventuelle évasion. On l'accuse de ça. Ok, en un. Mais lui répond, et il n'a pas tort, c'est que ce jour-là, heureusement pour lui, sinon l'accusation le mettait KO. C'est l'un de ses collaborateurs à l'époque qui s'en était chargé de cette audition. C'est pas lui, c'est un de ses collaborateurs. Et lui, il avait été absent sur les lieux. Donc, comme il le dit lui-même, je n'ai pas pu estimer le degré de sécurité alors déployé. J'y étais pas. Et si j'y avais été et que j'avais eu à le faire, compte tenu de l'évasion précédente de son client, parce que c'était la deuxième évasion de Ferrara en 2003, il en avait fait une avant, quoi. Donc, vu la première évasion, s'il avait été là-bas, Karim Achoui dit qu'après s'être renseigné auprès de son collaborateur qui lui était sur place, que bien au contraire, il ne fallait pas tenter quoi que ce soit, parce que sans même savoir s'il y allait y avoir une grosse sécurité ou pas, lui, de par son expérience, vu que Antonio Ferrara s'était déjà évadé une première fois en, je sais plus quelle année, 2, 3 ans avant,
ils savaient très bien qu'il y aurait un niveau maximum de sécurité. C'est très bien que les gendarmes, GIGN, le RAID, pour la police, tout ça, etc., la BRI, à l'époque, voilà, auraient mis aurait été, tu sais, enfin, je veux dire, s'ils avaient mis un système de sécurité en place pour lui, mais ça aurait été au maximum. Et ça a été le cas, apparemment. Il dit, moi, je l'aurais empêché direct de rejouer les gars qui s'évadent. Hein. Et pas besoin de me dire, ouais, dites-moi, maître Achoui, je vous file du pognon, si vous me dites s'il y a beaucoup de flics ou pas, s'il y en a pas trop, je m'évade, s'il y en a beaucoup, tataf. Il dit, pourquoi me poser la question? C'est complètement idiot. Il n'avait pas besoin de me dire de vérifier quoi que ce soit. Je savais d'avance que la sécurité serait au maximum vu qu'il s'était déjà évadé. Donc pourquoi on m'accuse de ça? Pourquoi on m'accuse de lui avoir filé des ou d'avoir voulu lui filer des renseignements qui au final n'ont pas servi? Mais en plus, il n'était pas là, lui. Bref, ça en un, donc voilà le truc. Ça, lui, il a réussi à le casser. Il a ensuite mis en examen, à cette époque-là, pour avoir donné, soi-disant, le top départ indispensable, en gros, à l'opération de récupération, en fait, à l'évasion, quoi, en gros. Allez, on va péter la porte de Fresnes, on va rentrer, en gros, on va rentrer à Fresnes, Ferrara, donc, enfin, en gros, quoi, Achoui. Il dit que tout ça, il ne l'a nullement fait, quoi. Son intervention dans cette affaire, déjà d'une, n'a pas pu se faire parce que ça faisait 3 mois qu'il n'allait pas voir Ferrara. Ça faisait 3 mois que c'était son un de ses un de ses avocats qui travaille pour lui, un de ses collaborateurs, qui allait voir Ferrara depuis 3 mois. Lui, il dit, ça fait 3 mois que j'ai pas été le voir. Comment j'aurais pu donner un top départ alors que pendant 3 mois, je l'ai pas vu? En plus, Ferrara n'avait pas besoin d'un top départ que je vienne le voir et que je lui dise top départ, mec, parce qu'il avait un téléphone en cellule, donc il avait pas besoin de moi. On aurait pu lui parler tu sais, en code avec son téléphone. Il a pas besoin d'avocat qui rentre. On n'est plus à l'époque de Mesrine. On était à une époque déjà où les portables existaient et ils étaient en cellule, dans les prisons, en centrale, voilà. Donc là, il comprend pas. Il dit, merde, 3 mois que je l'ai pas vu. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Il dit non. À deux reprises, donc, pour deux choses dont on l'accuse, il arrive à prouver que il n'a rien à voir là-dedans. On dit qu'il lui aurait soi-disant conseillé de refuser la fouille après le parloir, ce qui le conduisait automatiquement et immédiatement même à être isolé en quartier disciplinaire. Ce qui aurait été d'ailleurs la première étape de la stratégie mise au point par les complices pour l'évasion, quoi. Puisque, comme on l'a souvent dit, le quartier disciplinaire est proche du mur d'enceinte par lequel sont passés les gars qui sont venus chercher Ferrara. Et donc Achoui le répète, je n'ai pas vu Ferrara dans les 3 mois ayant précédé son évasion. C'est mon collaborateur, c'est lui qui a eu l'entretien avec Ferrara le dernier jour. Et comme d'habitude, il lui avait clos par cette phrase coutumière à tout membre de la profession qui est désireux un peu de rassurer ses clients, c'est on s'occupe de tout. Voilà. Mais ils disent tout le temps ça, vous inquiétez pas, monsieur, on s'occupe de tout, quoi. Là, Achoui, à l'époque, par ailleurs, mais il va quand même en s'en prendre plein la gueule, il a réussi à établir qu'un surveillant de Fresnes avait transmis à Ferrara, et ça, la justice aussi va enquêter, et va, voilà. Et donc, lui, il raconte ce que la justice a fait. C'est que il a été établi qu'un surveillant de Fresnes avait transmis à Ferrara un téléphone portable et des pains de plastique afin de les faire exploser, faire exploser
les barreaux de sa cellule, quoi. Donc pourquoi donc les complices de Ferrara auraient-ils eu besoin de l'intervention de Karim Achoui, puisqu'il bénéficiait déjà de l'aide inestimable et efficace d'un gardien de prison? De plus, Ferrara n'avait besoin d'aucune aide, puisqu'il était directement joignable, donc sur son téléphone portable, qu'il possédait dans sa cellule, quoi. Et Maître Achoui, donc, après donc, ces deux points qu'on peut facilement destroyer, le troisième, c'est qu'enfin, il est mis en examen parce qu'il aurait soi-disant fourni un médecin à l'un des assaillants blessés, Doumé Bacini, quoi, qui a participé à l'attaque. Doumé Bacini, qui a perdu un œil à la maison d'arrêt de Fresnes, au moment où, en fait, il place le rectangle avec le C4. Comme quand on attaque un fourgon blindé, il y a la technique du parabole, la parabole, là c'est pareil, technique de la parabole, sauf que la parabole, elle est un grand carré, quoi, en gros, pour faire un trou, pour que les gars ils puissent passer et sortir. Donc il y a une porte métallique qui a été sûrement condamnée après l'attaque, là, qui était sur un côté de Fresnes, et quand tu faisais péter cette porte métallique, en gros, tu pouvais avoir facilement accès au mitard. Avec une pince coupe-coupe, tu coupais les 4-5 grillages ou les 3-4 fils de fer, tac-tac-tac-tac-tac-tac, et t'arrivais donc à la cellule au mitard de Ferrara, qui avait mis un petit truc pour se faire reconnaître. Et de là, Ferrara, pif-pif, il appelait ses collègues, il avait lui-même des pains, de l'intérieur, ses copains en avaient à l'extérieur, ils ont mis tout ça, tatataf. Ferrara s'est protégé derrière deux ou trois, derrière son lit et derrière le matelas. Sauf que quand ça pète, Antonio Ferrara est assommé, quoi. Mais ses collègues, ils sont courageux, quoi. Ils rentrent dans la cellule, c'est pas facile. Hein. Ils le récupèrent, ils le font sortir et ils le traînent. Il est encore. À ce moment-là, il est encore. Dans les vapes, quoi. Il n'est pas bien, quoi. Il est assommé, tout va mal, quoi. Mais tout ça, ils se sont occupés de tout. Ils le font sortir. Pendant ce temps-là, des types tirent sur le mirador pour que personne ne sorte et ne les chalume. Une fois que Ferrara est dehors, tout le monde est dehors, ben, y a un blessé, donc. Apparemment, ce serait Doumé Bacini qui aurait perdu un œil. Il a mis un grand rectangle avec le C4, mais à un moment, le scotch, il glisse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essuyé la porte remplie de poussière. Ils auraient dû essuyer la porte. Enfin bon, c'est facile à dire, mais il faut du temps, quoi. Ils auraient dû bien essuyer la porte, bien scotcher le truc, et paum! Là, Bacini voit quoi? Qu'au moment où il veut faire sauter le truc, le rectangle, il glisse, il tombe. Un scotch lâche, quoi. Et vite fait, il le rattrape et il le rescotche, mais paum! Ça pète à ce moment-là. Et ça, une partie de l'implosion, paf! Arrive sur sa figure. Et il a un œil, il perd un œil, quoi. Il a un œil éclaté, quoi. Et il pourra plus voir de l'œil, il va se faire opérer et tout, mais c'est chaud. Et à ce moment-là, il monte dans une voiture, et le truc est assez bizarre, quoi. Un des gars, donc, qui rentre dans la voiture, fait marcher un téléphone, quoi. Soit celui de Ferrara, soit je ne sais pas qui, un téléphone des gars et tout. Mais en tout cas, la police arrive à intercepter la conversation, voire à l'enregistrer, enfin bref, quoi. Et ils entendent quoi dans cette conversation? Ils entendent que il faut aller voir le baveux. Va soigner Doumé Bacini, quoi. Doumé Bacini qui est un jeune pousse montante de la Brise de Mer, quoi. Sauf que lui, Maître Achoui, ça, il va l'écouter, quoi, Karim Achoui, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il trouve, quoi? Il trouve que l'écoute de la communication téléphonique,
où on entend les gars parler, où on dit ouais, le baveux, etc., etc. Ben en fait, il trouve que le son est tout pourri, quoi. Déjà, on arrive peut-être à reconnaître des voix, peut-être que c'est vraiment leur téléphone, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais une chose est sûre, c'est que. Ave Roman Nono, comment vas-tu, frérot? Ça va bien, tranquillou, la famille? Ouais, ça va, mon frère, dinosaure de la radio YouTube. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on vient. Oui. Eh oui, gentil, fais la famille, oui, monsieur, on va essayer de changer des idées, les amis, essayer de faire un petit peu rigoler tout à l'heure, je vais vous faire des blagues à Toto. Mais voyez, truc de dingue, quoi, c'est-à-dire, paf, on entend, oui, le baveux, tati tataf, lui, il écoute tout ça, il dit, mais c'est difficilement audible. Et à cette époque-là, à ce moment-là, surtout précis, Maître Ashoui dit qu'il a passé une nuit chez lui tranquille, qu'il n'a reçu aucun appel, qu'il n'en a donné aucun la nuit de l'évasion, que c'est relevé l'atteste. Il tient pour clore à préciser que le sens du devoir et celui de l'honneur l'ont toujours interdit, en gros, de penser à commettre des manquements de nature à porter atteinte à un métier qui est sa passion. Et que sa carrière, en gros, se porte à merveille. Et il voit mal comment il aurait pu la compromettre pour, en fait, 10 000 euros selon l'accusation, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, les flics se foutent un peu de sa gueule et lui disent, Ashoui, tu as fait un truc de dingue, là. Et pour 10 000 euros, quoi. Et sauf que les 10 000 euros, il les gagne parfois en une heure. Qu'est-ce qu'il va faire un truc de fada qui peut lui apporter les plus gros problèmes du monde pour 10 000 euros. Alors que ils n'ont pas besoin de lui, il le montre. Il a un téléphone. Ferrara, il est en contact avec les gars dehors. À quoi sert un top départ d'Ashoui? Il sert à rien, il a le téléphone, il a tout, il peut passer par n'importe qui. On n'a pas besoin de lui d'ailleurs pour quoi que ce soit, vu qu'il y a un gardien de prison qui a apporté du C4, des téléphones, etc., etc. Donc on n'a encore pas besoin de lui. Lui, il se demande ce qu'il fait là en vérité. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va le fracasser. Pourquoi on va le fracasser? Vous allez le comprendre. Bientôt, quand on va faire un gros live sur cette affaire, parce que cette affaire, elle mérite un live de dingue, parce que t'as des flics, des grands flics de Versailles, et là, je parle pas des flics, les petits trucs, voilà. Je parle de flics qui sont dans des grosses brigades, des grosses offices, les plus grosses, la CRIM, BRB, OCRB peut-être, je sais plus, enfin des gros trucs, peut-être BRI, voilà quoi. Et qui sont de Versailles et qui lui veulent la misère, quoi. Mais qui serait en lien avec la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Michèle Alliot-Marie, que Karim Achoui, blessé, va montrer du doigt. Et il va même faire comprendre qu'elle a un truc à voir. Qu'est-ce qu'elle fait Alliot-Marie? Quoi? Vous m'accusez de quelque chose à moi? Mon honneur est en jeu? Je vais porter plainte. On se dit, ah ouais, là, elle va porter plainte. Hein. Eh bien, écoutez bien, les amis, c'était en 2007, ça fait 15 ans. Je dis pas de conneries. Ça fait 15 ans, ouais. Eh bien, apparemment, elle a oublié ou elle prend son temps, mais elle n'a jamais porté plainte. Comment ça se fait que quand on accuse une ministre de l'Intérieur d'un truc pareil, d'avoir voulu faire assassiner un avocat, moi, Karim Achoui, avocat, j'accuse Michèle Alliot-Marie d'avoir couvert des flics corrompus, donc, pour que ceux-ci m'assassinent. Si vous êtes ministre de l'Intérieur, on vous accuse d'un truc pareil. Les amis, vous portez plainte. Mais elle, ça fait 15 ans. Pourtant, à la télé, elle a fait du bruit. Hein. Elle dit, quoi, on m'accuse de ça, moi? Alors là, ça va être chaud, là. Là, ça va être chaud, moi je vous le dis, je vais porter plainte, là, ça va être chaud. Ah ouais? Ok. Ça fait 15 ans qu'il attend la plainte, Karim Achoui, et il n'y a pas de plainte. Comment ça se fait? Comment ça se fait?
c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, tu fais un truc comme ça à une ministre de l'Intérieur, soit elle joue sa carrière, mais pour l'instant, elle ne l'a pas jouée, mais quelques années plus tard, elle va la perdre pour une autre histoire, en Tunisie. Ouais, madame veut envoyer, alors que la Tunisie est en train de faire une révolution, madame veut s'en mêler et veut envoyer des... au départ, elle veut envoyer des troupes. Lui fait comprendre, lui dit, oh, mais t'es fana ou quoi, oh, mais la Tunisie, c'est un pays libre, là, c'est plus un protectorat. Ah oui, mais je vais juste envoyer des munitions et des gars qui vont montrer aux flics tunisiens comment faire de la répression. Elle continue, quoi. Elle dit, mais t'es complètement starbé, mais ferme ta gueule, tais-toi. Ah oui, mais bon, je voulais apporter une coopération. Mais il n'y a pas de coopération. La Tunisie, c'est un pays libre qui fait ce qu'il veut, son peuple aussi. On va pas se mêler d'une affaire tunisienne. Le peuple tunisien est en train de virer un dictateur. Elle veut aider ce dictateur. On se dit pourquoi. Et bizarrement, on se rend compte qu'elle a des gros intérêts en Tunisie. Ah, ceci explique cela. Conflit d'intérêts. Ah. Mais elle va tout mettre sur le dos de qui? Elle dit oui, mais rien ne m'appartient. Ça appartient à mon père qui a 100 ans et ma mère qui a 97 ans, quoi. Ou son père a 101 ans, sa mère 97 ou 98 ans. C'est-à-dire, elle met ça sur le dos de ses parents qui ont un siècle de vie. J'ai jamais vu ça, quoi. Faut vraiment être une ordure, quoi, pour foutre ses parents qui ont 100 ans dans la merde, quoi. Je veux dire, même si tes parents, même si t'as 20 ans et que ton père il a 40 ans et ta mère 37 ans, 38 ans, 39 ans, je sais pas, tu les fous pas dans la merde, jamais, quoi. Tu plonges, même tu te mets tout sur le dos, tu protèges tes parents le plus possible. Mais elle, non seulement elle se sort de tout ça, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est mes parents, quoi. Qui ont pas 40 ans ni 50 ans, c'est-à-dire prêts à subir un choc. Ils ont 100 ans et 98 ans, quoi. Comment on appelle ça, quoi? Putain, on appelle ça... Je vais pas le dire, parce que sinon on n'a plus de chaîne, quoi. Mais bon, c'est honte à elle, quoi. Honte à elle. Elle voulait intervenir en Tunisie pour protéger non seulement ses biens à elle, donc laisser au pouvoir un dictateur qui faisait du mal à son peuple. Et vive la Tunisie, vive les Tunisiens. Les Tunisiens, c'est des bonhommes, c'est des frères. Ils se sont libérés de ce chacal de Ben Ali qu'on a laissé partir en plus avec des milliards tranquilles. Ouais. Qu'on a protégé quand même pour ça, quoi. Et qui a dû payer quelques personnes tranquilles et qui s'est barré, je sais plus, en Égypte, en Arabie Saoudite. Voilà, quoi. Le pays des chacals, quoi. La vie est belle. Ouais, c'est terrible. Mais revenons à Maître Achoui, parce qu'il va lui arriver des gros malheurs, quoi. Il va aller en prison et tout, quoi. Mais cette affaire est énorme, quoi. Énorme. Alors, je vais pas la faire ce soir parce qu'elle est trop belle, cette affaire. Elle est trop énorme. Vous allez voir que ça remonte à Michel Alliot-Marie, que c'est Sarkozy qui est président à l'époque, et qu'ils ne peuvent pas se souffrir Maître Achoui, quoi. Et que ça va passer par des grosses pointures, ça, on va lui faire un coup de tordu, quoi. Et on lui met un gars que Achoui reconnaît, un dénommé Rudy Terranova. On avait beaucoup parlé de lui à l'époque, quoi. Rudy Terranova, on trouvait au départ, et Jacques Haddad, quoi. Donc, Jacques Haddad, donc, Haddad aurait conduit la moto. Brahim Borji, Nordine Kerbache, Daoud Thiam, dans cette histoire, quoi. Avec un des frères H de Nanterre, Jamel. Lechtar leur envoie des tuyaux tordus. Attention, Achoui, c'est un emboucaneur. Il vous vole. Il se moque de vous, il n'est pas réglo, il parle avec les Condés. Ah bon? Ouais, il travaille avec les flics. Il n'y a rien de pire que de dire que quelqu'un travaille avec les flics.
C'est souvent faux. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un vient vous voir et lui dit, lui, travaille avec les flics, ah bon, comment tu le sais? Ah, je le sais, je l'ai vu. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as vu où? Je l'ai vu avec des flics. Ah ouais, comme ça. Là-bas, derrière l'arbre. Ok, ouais, t'as rien vu. Ouais. Ouais, c'est marrant, on m'avait vu dans un camion de gendarmerie le jour où je dormais chez un cousin, quoi. Tu vois, on est passé toute la nuit à faire la fête et tout. On dort chez lui, il y a un poteau, il vient nous chercher, on avait des têtes comme si on était morts. On prend une douche vite fait, mais on avait une tête quand même. Le cousin, il dit, bon, écoute, moi, un truc à faire. On se rejoint à 13h à tel bar. Je dis, ouais, on va peut-être manger un morceau avec le copain Marcus, tout ça, taf. Et je l'accompagne parce qu'il devait aller voir un copain à nous. Ah, je dis, ah, je t'accompagne. Taf. Et là, les types, ils disent, ouais, mais on t'a vu ce matin à 9h, t'étais dans un camion de gendarmerie, quoi. Je dis, les gars, vous êtes timbrés à 9h, on est en train de ronfler chez Youyou, quoi. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Le gars, le frère Marcus, il dit, attends, j'ai tapé à la porte, il est en train de comater comme des yinches. Hier soir, ils ont fait la teuf, mortel. Qu'est-ce que je foutrais dans un camion? Vous êtes fous, quoi. Ah ouais. Le type, ils avaient du mal à le croire, quoi. Apparemment, j'ai un sosie ou je sais pas quoi, quoi. Ah merde. Ah ouais. Pourquoi Attends, il y a une erreur. Ouais, parce que Hassan, c'est la famille. Ouais. Ah, sans faire exprès, je crois. Ouais, Pépito, il t'a bloqué, mais il n'a pas fait exprès. Ouais. Ouais, t'inquiète, Hassan, tous les messages. Ouais. Hassan, tout va bien, mon frérot. Ouais, ça arrive des fois. Alors, quand on est nouveau sur le truc, sans faire exprès, on appuie, on regarde les trucs. Et voilà quoi. Monaco a gagné, quoi. Monaco, oui. Ouais, Pépito 06 a bugué, ouais. Ouais. Ouais, Hassan, sans faire exprès, t'as bloqué. Non, c'est. C'est Pépito. Sans faire exprès, il t'avait bloqué, Hassan. Mais sans faire exprès, t'as vu, il avait appuyé sur un truc. Ouais. Monaco a gagné alors. Ah, c'est chaud pour Marseille, en effet, quoi. Ouais, Marseille qui a perdu contre. Marseille qui a perdu contre. Si, je les vois, Hassan. Je te vois, mon frère. Je vois tes messages. Ouais. Nos sous-sailles et la famille. Ouais. Non, mais sérieux, c'est un petit truc, c'est pas méchant. Donc, Marseille peut perdre sa troisième place. Donc. Mais revenons donc sur. Pour. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce dont il sera question dans le futur live sur. Mais il sera beaucoup plus complet. Et, là, j'ai des trucs, j'ai pas envie de les dire, mais comme ben, il y a notre ami Ferreira. Qu'il a demandé un peu de façon cavalière, quoi. Sans dire ni bonjour, ni au revoir, ni merde, mais c'est pas grave. Alors que lui de dire salut les amis, ah, ça serait bien de parler de Ferrara. Voilà. Voilà. Danny Ferrara, la prochaine fois, tu essayes de juste d'être un peu plus, voilà, plus tranquille, quoi. Mais il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de noms. Parce que. Ah, le commissaire Lapeyre, quoi. À l'époque, on disait Lapeyre, il n'y en a pas deux, quoi. C'était, je sais plus quoi, Lapeyre, il n'y en a pas deux. C'était une publicité sur, je crois, des chiottes ou je sais plus quoi, en fait. Voilà. Pour celui qui était envie de chier comme il faut, quoi, tu vois, sur un truc Lapeyre. Je sais plus ce que c'était, quoi. En fait, tu disais Lapeyre, il n'y en a pas deux. Qu'on fait, bref, j'ai rien dit, j'ai rien pas dit, foutez pas ma gueule. Voilà, mais là il y a un commissaire Lapeyre, et ce commissaire Lapeyre, il est très étrange apparemment, d'après ce que moi je dis juste, je ne connais pas la fin fond de, mais par rapport à ce que je peux dire et tout ça. Alors, cette histoire, on va parler, attendez, on va revenir quand même un peu plus tôt. Qu'est-ce qui se passe chez Karim Achoui quand il quitte son. Un appartement d'avocat, enfin son cabinet d'avocat. Il y a sa meuf, son ex qui vient le chercher, elle lui dit, viens, on va manger. Ils descendent en bas, donc ils arrivent à Lavago, et là, ils voient deux types bizarres. Deux types bizarres. Apparemment, ça fait 2 jours qu'ils viennent, il le saura plus tard, ça. Ils sont casqués,
et il envoie un le regarder, boulevard Raspail, quoi. Il envoie un le regarder assez bizarrement, quoi. Lui, il fait pas gaffe. Ça arrive, ils sont devant une banque, ils disent, oh, ils veulent braquer la banque, c'est en rigolant, enfin bon, voilà, tatataf. Et il s'avance avec sa meuf, et tac, tac, il fait bouger, pipe, tu sais, il ouvre sa voiture, il s'approche de la voiture, mais il continue à regarder un des types qui s'avance, qui a le casque sur la tête, mais qui a le casque ouvert, casque intégral, mais avec la visière relevée, quoi. Ce qui fait qu'à un moment, le type est tellement proche qu'il arrive à voir le type. Qu'il arrive à voir le gars, quoi. Il arrive à voir son visage, quoi. Et là, il voit le type qui met la main dans la... dans sa banane ou dans sa pochette devant, quoi. T'as vu? Et il sort un truc, quoi. Et là, Ashwi, il pète un câble. Il comprend direct. Il dit, là... le type il progresse, tu sais, tout lentement, tu vois, tranquillement dans sa direction. Il continue à le mater, tu vois. Il porte son casque de moto, il a des sacs dans la main, Karim Ashwi, quoi. À un moment, il comprend qu'il y a un truc, quoi. Le gars va vers lui, ne s'arrête pas et sort un calibre, quoi. Qu'il avait à peine pris le temps de dissimuler des regards sous sa veste ou dans son truc, mais là il le sort, il le dissimule pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe en un dixième de seconde? Karim Ashwi a même vu l'individu esquisser un sourire, comme s'il était en gros content d'être là et comme s'il était content de sortir son arme et de la diriger sur lui, parce que c'est ce qui se passe, quoi. Vous voyez même les dents du gars, Iti Ashwi. J'arrive même à voir ses dents, à voir son visage. Et là, il crie. Il dit non, non, non. Il laisse tomber tout ce qu'il a dans les mains. Il commence à aller vers sa femme, il la protège. Il la cache derrière un petit arbre qui se trouve à proximité, à gauche. Et là, il détale en sens inverse de celui dans lequel arrive le tireur, quoi. Et là, il court. Et comme il dit, comme j'ai vu dans des films, je zigzague à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et l'autre, il tire une première fois. Ashwi, tu sais, court, il essaye d'éviter, tu sais, il galope comme un chacal, comme un lapin, comme il dit, quoi. Mais à peine a-t-il parcouru une quinzaine de mètres que le type tire donc une première fois, donc. Et là, il est touché dans le dos. Mais là, il perd pas son souffle, il perd rien. Il continue à courir, alors qu'il sent qu'il a une grosse douleur dans le dos, quoi. Ça lui brûle la peau, il perd beaucoup de sang, mais il continue à courir, à courir, à courir. Il est trempé dans son sang. Donc, en gros, la première balle a frappé fort au milieu du dos et elle est ressortie à hauteur du poumon. C'est-à-dire que la balle est rentrée et ressortie. Il n'est pas costaud, Ashwi, quoi. Je sais pas, il doit faire 70, 72, 75 kilos maximum. Je sais pas, sa taille doit être grand un petit peu. Mais il y a une deuxième balle qui est tirée. Et cette deuxième balle, elle va être mortelle. Parce qu'elle rentre dans sa fesse et elle ressort de l'autre côté en lui éclatant le zboum. Je ne sais pas comment, en lui perforant le sexe, comme on dit, quoi. C'est-à-dire son zgug est défoncé, quoi. Paf. À ce moment-là, il s'arrête et il dit au gars, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire plus tard? Non, je rigole. Et là, il continue à courir. Il court. Le type lui court après. Troisième balle. Cette fois-ci, la balle passe à côté des oreilles et elle va éclater une vitrine Renault ou je sais pas quoi. Il y a même une balle qui va être retrouvée 300 mètres plus loin dans un bar, encastrée dans une vitrine de bar, quoi. 300 mètres plus loin, quoi. Sur le même boulevard, Raspail, bref. Pour dire, ce type de munition, ça va très loin. C'est du 11,43, 11, l'arme des tueurs. Comme on dit, on lui envoyait la moto.
comme ils disent dans le sud, on t'envoie la moto avec les chips qui sont dessus. Et là, il saigne. Là, la deuxième balle, puis la zigounette est touchée. Là, Choui a presque envie de s'arrêter, d'aller casser la gueule au type. Sauf que le type est armé, et que sa zigounette, elle est un peu... voilà quoi. Heureusement, comme disait Choui, je n'ai pas envie de pisser à ce moment-là. J'aurais eu du mal. Plus sérieusement, Choui continue de courir, il continue de courir. Troisième balle, donc, a claqué, paf, explose la vitre Renault. Mais à un moment, il continue de courir. Sur une distance d'à peu près, lui-même refera le parcours plus tard, en gros, plus de 250 mètres. Il se souvient être passé, il y a des trucs terribles, quoi. Il se souvient être passé au coin de la rue Grenelle pour avoir croisé une Renault Twingo Marine garée sur le trottoir. Et là, il y a une femme qui est à côté de la voiture et qui était en train de charger et de décharger des paquets, des courses. Et là, il dit à cette dame, aidez-moi, aidez-moi. Ce à quoi la femme répond, et lui, il l'a pas oublié. Et je pense que moi-même, je n'aurais pas oublié ça. Elle le regarde, elle regarde un type qui arrive en courant, un costaud. Hein. Choui se souvient du visage du gars, il se souvient aussi de sa carrure. Un type large, très costaud quoi, voilà. Que répond la dame? Alors qu'il a bout de force, aidez-moi s'il vous plaît, je suis poursuivi, normalement, on fait quoi le réflexe, mais monte dans la voiture, on se casse. Là, elle lui dit quoi? Elle lui dit non, c'est trop tard. Elle lui dit c'est trop tard, c'est trop tard. Alors lui, il continue à courir, quoi. Alors que le sang coule, il parvient plus à respirer à un moment, les blessures et tout. Et là, il a le sentiment d'étouffer. Parce que son poumon gauche, quand même, a été touché et a explosé, même, quoi. Le poumon a explosé. Donc, il a tombé, quoi. Précisément à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Varennes. Très exactement, quoi. Très exactement, même devant le magasin de tapis ethnique Sam Laik. Voilà. Il heurte le trottoir avec le menton, paf, il tombe par terre, il est éclaté, il n'en peut plus. Il a le sentiment de brûler de partout, hein, deux balles dans le dos, qui a traversé, qui a explosé le poumon, la deuxième, qui est rentrée dans la hanche, qui a explosé la zigounette en sortant une partie, quoi, du moins. Aïe, ça fait mal. Et là, il est allongé par terre, il sombre, il n'est pas dans le coma, quoi. Il ne va pas sombrer dans le coma à aucun moment, quoi. Mais il est couché par terre. Et il a peur, terriblement peur. Celle d'être achevé à même le sol d'une bâche logée dans la tête par l'homme qui est habillé en noir. Les deux hommes sont habillés en noir. Et celui qui l'a suivi, qui l'a tiré dessus, j'ai dit, j'espère qu'il n'est plus là. Mais si, l'homme arrive, quoi. Et il arrive à cet instant. Et il va tenter d'achever à bout portant, à bout touchant presque. Maître Choui est tombé, donc il est à moitié, il est sur le trottoir, épouvanté. Il regarde face à face l'homme, quoi, en noir, qui le surplombe. L'homme doit faire 1m80, dit-il, facilement, même un peu plus. L'homme se penche et lui tire dessus, quoi. Et là, il dit, mais c'est ma dernière heure, je suis mort. Alors qu'il était en train de fixer le visage du tueur. C'est pour ça que plus tard, apparemment, il le reconnaîtra, quoi. Vous allez voir que plus tard, il va le reconnaître, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le type, il braque son arme sur lui. Il a la visière levée, hein. Parce qu'il se dit, ah, Choui, il est mort, il me reconnaîtra pas, quoi. Mais l'assassin, il va faire feu à 4 reprises, pratiquement à bout portant, face au visage d'Achoui, quoi. Qui a les yeux grands ouverts, et qui flippe sa race, qui dit, je vais crever, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 balles sont éjectées de la culasse de l'arme du tueur, mais elles ne sont pas percutées. Clac, clac, clac. C'est un 7 coups. C'est un 11-43. Un 7 coups. 3 ont été tirés. Il en reste 4. Et clac, bam. Et la balle éjectée. Clac, deuxième coup, bam. Enfin, elle est éjectée. Pas poum, par le canon. Elle est éjectée, tac, du truc. Pac, il retire, boum, elle ressort. La dernière, pac, boum, elle ressort. Tic, tac, 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 il n'y a plus de balle. Waouh. Comme dit Karim Achoui, le chargeur de ce genre de calibre compte 7 balles. L'homme avait commencé par en tirer 3, donc à bonne distance. Et les 4 autres, à bout touchant, bout portant, mais tatataf. Et là, donc, une chance inouïe, donc, une chance inouïe. Là, il est cocu, archi-cocu, quadrilo-cocu, etc., etc. Le type se marre, quoi. Il dit, merde,
j'ai raté la balle dans la tête, mais bon, vu qu'il est blessé à deux endroits, peut-être qu'il va mourir. Et il se sauve, quoi. Et là, c'est donc le début d'une histoire, les amis, qui est un roman, qui serait un bon film, qui serait un super roman policier, quoi, qui est une histoire de dingue, quoi. Où on retrouve des grosses figures du banditisme, on retrouve des policiers, comme le dit Karim Achoui, il ne s'agit pas de toute la police, il s'agit d'une frange, une petite frange de la police. Mais apparemment, cette frange de la police travaillerait peut-être pour la ministre de l'Intérieur. Ce serait peut-être elle qui aurait donné des ordres. Alors peut-être, il semblerait en tout cas, à l'époque, d'après ce que dit Karim Achoui, il semblerait que... voilà quoi. On dit que Karim Achoui est proche de certaines pointures du grand banditisme. On dit que son partenaire de boxe, et celui qui l'entraîne un peu, le champion du monde, Farid Kider, va venir souvent le voir à l'hôpital, va faire sa petite enquête de son côté. Farid Kider, on va le revoir plus tard dans d'autres dossiers. C'est-à-dire que Karim Achoui, pendant le temps qu'il est à l'hôpital, il reçoit un peu de monde quand il va mieux, et il essaye de faire marcher ses petits réseaux. Il y a du monde. Parce que dans un premier temps, il pense à quoi? Il pense à qui? Eh bien, étrangement, sa femme, son ex-femme, la femme, je ne sais pas s'il était marié, mais la femme avec qui il a eu un enfant, avec qui il a vécu quelques années, quoi, qui est la fille d'un commissaire par alliance, la belle-fille d'un commissaire. C'est-à-dire que sa mère s'est mariée avec un commissaire vénère. Mais elle est aussi la nièce ou la cousine d'un gangster réputé. Il me semble que c'est Ahmed Mohidine. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle vient le voir, quoi. Elle pleure. Ils ont un fils ensemble. Ouais, lui, il pense à son fils. Elle arrive à rentrer parce que tout le monde est interdit. Quand Karim Achoui est mis à l'hôpital, t'as deux flics en civil armés avec les gilets pare-balles et tout qui sont dans la chambre. T'en as deux ou trois dehors, quoi. C'est-à-dire pas question d'aller à cheval à l'hôpital. Il y a du monde. Hein. Son quartier va être... vu qu'il y a des flics, comment on appelle ça là, ceux qui ramassent les balles, tout ça, la police scientifique. Donc le quartier est bouclé, etc., etc. Et donc pas question de rater quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, et salut aux 37 personnes qui sont avec nous. Gros bisous aux 37 personnes. Mais si vous mettez un petit pouce, les amis, 36 maintenant, 37, 2 fois 38. Si vous voulez mettre un petit pouce, vous êtes les bienvenus pour mettre un petit pouce. Comme ça, on continue. Voilà, vous recevrez 500 grammes de merguez tralalou. Un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Et si vous voulez mettre maintenant ou après ou plus tard, parce que des fois il y a des téléphones, c'est compliqué. Des gens qui me disent ouais, je peux pas le mettre maintenant, j'ai un téléphone, tati tata, non sous ça. Il y en a même qui le mettent et quand ils quittent le truc, le pouce disparaît, quoi. Donc il faut qu'ils viennent le remettre, quoi. Voilà, merci à ceux qui ont mis un pouce, je vous embrasse fort aux 37 personnes, c'est sympa, mais aux 40, voilà, ça arrondit le truc. Donc en gros, mais c'est trop tard, on a fini, salut, non je déconne, merci les amis, c'est super, hein. Les 38 pour 10 pouces, c'est pas normal, exactement, Jasmine, allez les amis, un petit pouce, là, tranquille, la famille, vas-y, tu pousses, allez, 800 grammes de merguez tralalou. Donc la Karim Achoui, donc elle est souvenir. Un T-Max noir, deux tueurs habillés en noir, un qui est costaud, voilà, assez costaud, large et bouillant, mais il reconnaît il a vu son visage, quoi, mais en fait, il ne le connaît pas parce qu'il ne l'a jamais vu, quoi. Il ne sait pas qui il est. Voilà, 39, 40 personnes, c'est super, la famille, ça fait plaisir, quoi. Seulement, il le reconnaîtra plus tard. Mais ça, on en parlera plus tard de tout ça, quoi. Parce que vous allez voir, cette histoire, on peut pas la prendre comme ça, quoi. Il faut la faire super bien au top. Et je vais la faire super bien au top parce que vous allez voir petit à petit, je prendrai le rythme tranquille, vous voyez. Je vous ferai même, il y a des trucs, je suis sûr, vous avez oublié, vous ne connaissiez pas.
mais ça va arriver à des stars. Regardez ce qu'il dit, lui, Karim Achoui. Qu'est-ce qu'il dit quand sa femme donc vient le voir et qu'il est sous morphine. Vous voyez, quand on est sous morphine, des fois, on lâche la tête. On raconte des trucs, c'est pas vrai. Mais on s'en rend pas compte. On croit que c'est vrai, quoi, mais c'est pas vrai. Enfin, on a des alus, des hallucinations, tout ça. En fait, on est... C'est ça, la morphine. C'est bizarre, quoi. T'es quelqu'un d'autre. T'es comme ça. T'sais. Et qu'est-ce que... Et sa femme lui dit, ça va. Il lui dit, je sais qui m'a fait ça. Elle lui dit, ah bon, mais qui t'a fait ça? C'est des policiers. Voilà sa réponse, alors qu'il est en train de clamser presque, parce que sa vie est encore entre la vie et la mort. Pendant plusieurs heures, il va être son truc vital va être engagé. Son machin vital est engagé et on ne sait pas. Il peut crever parce qu'ils lui disent à un moment on va devoir t'opérer à cœur ouvert parce que c'est pas le foie, ton poumon a été éclaté. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à respirer, tout ça. Mais à ce moment-là, quand même, il prend un paquet de Marlboro, il ouvre une petite fume cigarette, il dit regardez, mon poumon va bien. Et là, il se met à tousser et un morceau de poumon sort de sa bouche. Non, je déconne. Non, mais là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais il a quand même, malgré la lucidité, il a cette lucidité de dire c'est des flics qui m'ont fait ça. À quoi elle pense, sa femme? Elle dit il a pris de la morphine, il est pas net. Il est en train de divaguer, quoi. Donc, nos soucis. Sauf que une des premières choses qu'il va faire quand il recevra des gens dans sa chambre d'hôpital et qu'il ira un peu mieux, c'est qu'il dira une frange de la police m'a fait le coup. J'en suis persuadé. Ah. Et c'est là que ça devient intéressant, les amis. Mais c'est là qu'il va falloir prendre tout son temps pour comprendre pourquoi des policiers ont fait ça, de quelle façon, pour quelle raison, pourquoi lui, pourquoi à ce moment-là, pourquoi comme ça. Parce qu'il a pensé aussi, il dit, mais... Est-ce que c'est le grand banditisme? Il réfléchit dans sa tête. Non, pourquoi le grand banditisme? Est-ce que ça serait des caïds alors? C'est des caïds de cité ou des caïds du business, c'est des affairistes, hein, ou des caïds de ceci ou des caïds de cela. Tu vois, t'as le grand banditisme. Vu qu'en France, il n'y a pas de mafia, donc ils ne pensent pas à la mafia, forcément. Alors, ils pensent au-dessous. Le grand banditisme, c'est-à-dire des clans, clan Brise de Mer, gang de la Brise de Mer, le clan des Marseillais, c'est des trucs comme ça, oh, grand banditisme. Non, je dis, c'est pas possible. Au-dessous des caïdes, non, c'est pas possible. Alors en dessous, des seconds couteaux, des trucs. Je dis non, je vois pas qui, non, pas possible. La police, des corrompus. C'est-à-dire que là, en disant des policiers corrompus, il reste dans la marge des. Il reste dans la. Dans la voyoucratie, quoi. Voilà. En se disant dans sa tête, grand banditisme, des caïds, des seconds couteaux, c'est-à-dire des lascars, des troisièmes. Voilà. Et les policiers corrompus. Il reste dans le. En gros, il se les fait tous, quoi. Et ouais, du policier corrompu, ouais. Pourquoi? Parce que il s'est passé des choses un petit peu avant, quoi, qui font que il pense à ça, quoi. Il pense à ces gens-là, quoi. Et a-t-il tort de penser à eux? A-t-il raison? Là, je peux vous dire que... Alors, il a des grands avocats. La dernière fois, on calculait avec un frère. Qui étaient ses avocats, quoi, en fait. On sait qu'il sort de... Il a été lancé par un très grand avocat à l'époque, Vergès, tout ça. Mais là, il va être soutenu par Maître Thémine, Maître Francis Pudlowski, Jean-Yves Liénard, Maurice Mistristrano, Édouard Martial. Et il va prendre des bons avocats, quoi. Parce que cette histoire, elle est énorme, énorme, énorme. Elle monte haut, elle monte loin.
il va faire sa petite enquête, mais c'est surtout une autre, c'est pas Versailles qui va faire une enquête, c'est les gars de Nanterre, quoi. C'est des gars de Nanterre, quoi, qui vont enquêter, quoi, sur des gars de Versailles. Alors, je dis pas que tout Versailles est ripou, je dis qu'il y a des gars de Versailles, apparemment, qui ont fait un coup tordu à Karim Achoui, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, Marseille, on s'est pris 3-0, là, au Vélodrome. Soit a raison, quoi, faut être honnête. On s'est mangé 3-0 par Lyon. Quoi. C'est une réalité. Maître Achoui, d'ailleurs, en parle dans son livre. Il dit Lyon qui a mis quand même 3-0. Et c'est pas un hasard, ce 3-0, parce que Maître Achoui se fait tirer 3 fois dessus. Ouais. Donc il se dit, c'est un supporter marseillais qui m'a fait le coup. Parce que Maître Achoui, à l'époque, est né à Lyon. En fait, il s'agit de l'avant. Non, je rigole. Alors Claire Chazal, alors là ça va être énorme hein, parce que Claire Chazal va envoyer une équipe là-bas. Tout le monde va y aller quoi. Tout. LCI, France 3, France 2, machin chouette, tout ça. Lui mal rasé sur son lit d'hôpital avec une chemise nuit jaune, poussin des hôpitaux quoi. Il va les recevoir. Je sais pas si vous vous en souvenez de ça. Merci aux 40 personnes qui sont avec nous. Merci les 40 personnes. Merci la famille. Ça fait plaisir, quoi. Et 18 pouces. Allez, les amis, essayez de faire. Allez, mettez 20 pouces, quoi. Comme ça fait 20 pouces, 40 personnes. Ça fait 1 pouce toutes les 2 personnes. Ça fait une bonne moyenne. Ça fait cool. Allez, les amis. Allez, un petit pouce en plus. La famille, 1 ou 2. Voilà. Gagnez 1 kilo de merguez de Granalou. Ça fait bien, quoi. Oui, je me souviens, moi, je sais pas si vous vous en souvenez, tu sais, il était là, tranquille, sur son lit, et il commence à parler, la famille. Il commence, ouais, bien joué au Lyonnais, hein, bien joué au Lyonnais, faut être honnête, les Lyonnais, chapeau, ouais, 3-0, chez nous, quoi, ouais, quoi, et oui, c'est ça, ouais, les Américains, quoi, ouais. Attends les amis, je reviens, quoi, vous savez quoi, ne bougez pas, ne bougez extrêmement pas, quoi, ne bougez pas du tout, ne faites rien, je vais me faire un café, je vais même pas éteindre le truc, j'en ai pour 2 secondes, même pas, quoi, j'ai des trucs en plus importants à vous dire, vous allez voir, je vais pas faire de café, à 40 personnes, ça y est, il faut 20 pouces là, absolument. Du coup, j'ai plus envie de partir maintenant que les 40 personnes sont là parce que Maître Achoui va faire son enquête, quoi. Il va pas lâcher l'affaire. Il a du monde, quoi. Mais il va aussi se fier, donc, comme je vous l'ai dit, à une enquête de Nanterre qui fait qu'ils vont remonter sur des stars. On le voit à un moment et pas sur n'importe qui, quoi. Là, ça va parler de Nordine Mansouri, quoi. On a Nordine Mansouri, on a l'équipe. Je me demande si Nordine Mansouri, c'est pas Moïdine qui est le cousin de son ex. Je crois que c'est Nordine Mansouri, quoi. Ouais. Enfin, là. Serge Lepage et tout ça, ça a été les clients de Serge Lepage, Nordine Mansouri, ça a été les clients de Karim Achoui, quoi. Mohamed Bousseta, Serge Lepage qui est donc soupçonné d'avoir assassiné un dénommé Mohamed Bousseta, ouais, je la connais cette histoire, ouais, Lepage il va passer à travers, quoi. Et il va faire sortir beaucoup de monde, Karim Achoui, dont les frères Hornec. Et ça, c'est peut-être le... En gros, ouais. Mais il n'y a pas que ça, vous allez voir. En gros, c'est peut-être ce qui va faire que Karim a été trop loin, quoi, pour certains policiers. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter, quoi. Ils peuvent pas le supporter. Et merci beaucoup la famille. Ouais, 20 pouces, ça fait plaisir. Ouais, gros bisous à vous toutes et vous tous. Ça mérite
Continuer de faire un bon petit 41 personnes avec nous, 42, 43, ça fait plaisir, 43 personnes en direct à 1h30 du matin, les amis. Bousseta, Joujou, c'est une grosse famille. Ouais, Hassan, ouais. Et, c'est des gars pareils, le pas, mais c'est dire chez toi, ça, mon frérot. C'est des gens, la BS, hein, banlieue sud, quoi. Ben oui, Hassan, ça tombe bien en plus, banlieue sud, c'est pour ça que tu connais bien les Bousseta, ouais. Et tout ça, ça se trouve 9-4. Hein. Ouais. Ils étaient craints à l'époque. Ouais. Mais beaucoup de Zetla, grosse quantité de Zetla, du Zetla avancé et du Zetla qu'on ne paye pas, qu'on ne veut pas payer. On donnera un carreau type, le type il arrive, il dit « Oh, tu me dois 40 kilos, tatata, ouais, ok, je te les paye demain. » Ou « Tu me dois 47 kilos. » C'est ça l'histoire avec le page. « Ok, je te paye demain, tatata. » Le page et son cousin de l'âge se rendent là-bas. Pam, pam. Il flingue un des Bousseta pour pas payer les 50 kilos ou 62 zetla, quoi, en gros, quoi, tout simplement, quoi. Et ça, Achoui va le défendre et il va réussir à faire en sorte que le page n'aille pas en tôle, quoi. Mais il y a d'autres trucs, les flics ont monté un dossier canon, quoi. Sauf que Karim Achoui prend le dossier, il le regarde, il s'en occupe, il le tourne à droite, à gauche et il trouve des trucs qui ne vont pas. Ok, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Et les types, ils ressortent, quoi. Ouais. Ils ressortent. Ouais, Hassan, ouais, je sais pas si tu l'as entendu, cette histoire, quoi. Elle a fait... Un des frères Bousseta faisait peur à beaucoup de monde. Oui, ils étaient bouillants, quoi. Mais en face, mais... Le truc, c'est qu'ils faisaient tellement peur qu'ils avaient confiance en eux, quoi. Sauf que quand t'as du Lepage, des gitans, tu vois, derrière et tout, t'avances. Parce que t'es la famille Bousseta. Y a personne qui va te faire peur, quoi, tu sais. Sauf que, ils lui font un plan tout tordu, t'inquiète. Il les fait attendre, il est en colère, il les a menacés, même. Il dit, attends, mon père, c'était le patron de là, t'attends. Je dis, moi, je n'ai rien à foutre, ton père, c'est qui, ou ça. Tu me dois les sous, tu vas donner, tu vas me filer la thune, mec, ça va chauffer, je vais te fumer, attention, tatati, tatataf, quoi. Bousseta, attention, ça rigole pas. Les autres, ils font, tu sais, les miskines, ils disent, ouais, d'accord, je vais te payer. Ouais, t'inquiète. Paf, un rendez-vous, l'autre il y va tranquille, hein, il sait qu'il va être payé, il fait peur aux autres. Sauf que les autres ils font blagner d'avoir peur. Et ils sortent les péteux et pam, 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 ils lui font sa fête. Ouais. Et là, alors on dit que c'était pour à peu près 50, 60, 45 ou 50, 60 kilos de zetla à l'époque. Tu vois, je me souviens plus, c'est une vieille histoire, ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, mais oui, mon frère. Ouais, c'est des bonnes infos, ça. Mais le truc, c'est que... Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y avait pas de la coque ? Est-ce qu'il n'y avait pas... Parce que flinguer quelqu'un pour 40, 50 kilos de là, c'est léger, quoi. Le page, il craignait un début, c'est ça qui était chaud. Ouais. Donc, ils ont fait comme si c'était pas eux, quoi, parce qu'ils ont accusé d'autres types, en plus. Je crois qu'il y a un arabe, je sais pas qui s'est fait accuser, quoi. On dit, Après, ils savaient pas trop, quoi. Et le page, c'est bouillant, parce que derrière, il y a Michel, le père. Oui, il était carré, lui, t'as vu, il avance, hein. Il dit, ouais, je suis capable de travailler les 40, 50 kilos. Je suis capable, t'inquiète, tu me les donnes. J'y travaille, ok, je les avance, il fait vivre, quoi. C'est cool. Des gars comme ça, il n'y en a pas 150, hein. Il y en a quand même, t'as vu. Mais, voilà, Yahmoum, t'as vu, c'est un charbonneur. Et voilà, quoi. Fais confiance, les types, ils te fument, quoi, pour 50 kilos, quoi. Même pour 10 000 tonnes, en fait, mais bon, quand même, quoi. Je reviens, 2 secondes, même pas la famille. Même pas 2 secondes, voilà, je fais l'alerte. Je mets le truc, tatataf, je le récupère vite fait.
Ouais, tranquille, ouais, c'était une grosse histoire, quoi, ouais, que... Mais, il y a d'autres histoires comme ça qui font que... Mais c'est pas cette histoire-là, la rigueur, qui fait chier les stars, quoi. C'est d'autres histoires, quoi. D'autres histoires, les haches qui sortent... Il y a des trucs, quoi, il y a des trucs qui se passent, quoi. Ah, il y a du beau monde dans toute la France, quoi. Oui, exactement, il y a du beau monde dans toute la France, frère. Grave, ben oui, ça vaut pas le coup. Mais non. Mais, je pense qu'il y a, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose. Quoique c'est possible, attention, c'est possible. T'as des types, tu sais quoi, moi j'avais entendu une histoire, des types, ils ont fait une embuscade à un type pour 8 kilos de tâches, quoi. Bon, tu me diras, c'était à la campagne, quoi. Ils ont tué un gars avec un fusil pour 8 kilos de tâches, quoi. 8 kilos de tâches, qu'est-ce que tu vas flinguer un gars pour 8 kilos de tâches, quoi. Sérieux, quoi. La rigueur, tu peux tuer quelqu'un parce que t'as la haine contre lui, je sais pas, moi, il a attaqué ta mère, ou il a, je sais pas, tapé ton frère fort, je sais pas, moi, tu sais, 8 kilos de tâches, t'as des types, voilà, quoi. Après, il saute par la fenêtre de chez lui, tu sais, avec les 8 kilos. Il y en a un, il se pète il habite au premier étage, il le tue. Il saute par la fenêtre au premier, ils avaient prévu le coup. Et là, ils se pètent la cheville. Et ils se font avoir, quoi. Dans un coin paysan, quoi, tu sais. La paysan city, ou je sais pas où, un truc tout pourri, quoi, tu sais, qui pue la chiasse, quoi. La creuse, je sais pas, en fait. Je sais pas. Enfin, tout est possible. Mais là, quand même, les chips, c'est pas des rigolos, quoi. Tu as pas flingué, tu as pas fumé. Ah ouais. Oui, il a mis un coup de pression, hein. Ouais, je crois qu'il a menacé, il lui a dit, faut que tu me payes. L'autre, il le prenait, t'as vu. Il était avec Delage. Tu sais, il y a Delage, son cousin. Je crois que c'est Delage qui avait monté le truc. Et le page, il voulait faire, tu sais, le type, ouais, t'es le baratineur, quoi. Gros baratineur. C'est un peu space, quoi, leur histoire. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette histoire, tu sais, paf, mais il y a les cousins, quoi, qui sont dans ce truc. Les deux cousins, le page et son cousin de l'âge, quoi. Ouais. Et donc, il décide de te fumer, quoi. Ouais, il met un gros coup de pression, il a pas peur, hein, c'est la frite. Ah, ouais, avec. Ah, ouais, exactement. Ouais. Ah, ouais. Mes chats, je les ai, mes chats, ils sont très forts. Je les ai entraînés déjà à la guerre, comme en Ukraine, quoi. Tu sais, ils sont prêts à faire. Voilà. Ils sont prêts à se battre. Les Ukrainiens m'ont appelé d'ailleurs pour aller friter mes chats contre les Russes. Je n'en dis jamais de la vie, quoi. C'est méchant en paix, quoi. C'est méchant en paix, voilà. C'est en paix, voilà. C'est méchant en paix. Ouais. Non, mais bon. Ça, c'est une histoire, quoi, voilà, comme une autre. Mais en fait, c'est surtout les Hornets qui emmerdent les stars. Ferrara, Karim Achoui, il réussit un coup de maître. Un coup de maître. Les flics, ils ont mis le paquet. Ils font tomber Mario, Marc et Jean-Claude, quoi. Les trois frères Hornets. Ah ouais. En gros, ils sont même sur peut-être l'Indien et peut-être la gelée, quoi. Ouais. Ils sont sur du people, quoi, en gros. Ouais. Et peut-être même Mohamed Amimer et peut-être d'autres, hein. Antonio Lages à l'époque, avant qu'il se fasse fumer. Enfin, à un moment, il y a plein de trucs, quoi. Quoique Lages, il se fait fumer rapidement après lui. Il est plus trop dans tout ça, quoi. Mais et Ornick. Eh ben, Maître Achoui, il arrive, Karim Achoui, il arrive, tranquille, il prend le taf, les procès-verbaux, enfin, il prend le truc, le merde, il prend le dossier, voilà. Il prend le dossier, il épluche le dossier. Il voit une erreur, deux erreurs, trois erreurs, paf, paf, paf. Allez, en même pas une semaine, les Hornets qui sont dehors. Façon de parler, mais je crois que c'est ça, quoi. Les Hornets qui sont dehors, et tout ce qui a été fait contre eux, c'est abandonné. Achoui, il a fracassé le truc de la police qui se sont. Et voilà, si ça avait été moi, j'y serais encore en tôle, là. J'aurais pourri. Parce que j'aurais pas pris Achoui, j'aurais pris l'avocat maître. Dupont Moretti, quoi, le cousin Dupont Moretti, ce que tu payes 500 euros une première fois,
Si le truc avance, tu lui files 500 en plus, et au final, s'il te fait sortir, ou si tu prends 8 ans au lieu de 10 ans, tu lui rajoutes 500 de plus, quoi. L'avocat a 1500 euros. La façon de parler, enfin bref. Et donc, là, tu prends 8 ans, quoi. Mais là, ils ont mis les sous, quoi. Et attention, quoi. Ça rigole pas, là, avec, ah oui, Hassan Urnek, grosse famille de Montreuil, du 9-3. Très grosse famille, ouais. À une époque, dans les années, j'avais vu ça. Alors, écoutez bien, quoi, vous n'allez pas me croire. Sur un France Football, moi je m'intéressais à fond, c'est au milieu, quoi. Sur un France Football des années 2006-2007, ça parle un peu football et agent intermédiaire un peu bizarre dans le football. Sur France Football, ils te disent les Urnek, dont la fortune est estimée à 4 milliards d'euros. Un truc de dingue, quoi. Repris par l'équipe, repris par... comment ça s'appelle le truc qu'on regardait tous quand on était jeunes, là. Tous les gars du quartier, on avait un journal quand ça sortait le mercredi. Enfin, pas tous, mais je connaissais les mecs, Hatch et compagnie, tu sais, ça va à peine dire, tu sais, mais ils disaient « Nouveau détective ». Voilà, nouveau détective qui sort une info, les Urnek auraient 4 milliards d'euros de fortune, quoi. C'est repris par des trucs, enfin non, mais des trucs de fou, quoi. Mais en tout cas, il te fait sortir les Urnek, alors qu'ils sont, ils sont partis pour 20 ans, là, peut-être. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont pris cher. Eh bien, une semaine, 10 jours plus tard, Karim Achoui les fait sortir. Ah ouais, la folie des types, ils y croient pas, quoi. Ils y croient pas, il les fait sortir. Mais tout ça, les amis, là, je vous le raconte comme ça rapidement. Mais la prochaine fois, je vais vous faire ça proprement, quoi. Bien. Parce qu'il y a des keufs là-dedans. Il y a des flics de Versailles, quoi, qui commencent à s'agacer, qui vont s'approcher de certains indics ou de certains types. On parle d'indicateurs, là. Ouais. De certains types à qui on peut refiler des tuyaux percés. Et avec ces tuyaux percés, dans certaines prisons, ça peut monter à la tête de certaines personnes. Sauf que ces personnes n'ont rien à voir avec Karim Achoui. Il les connaît pas, il les a pas défendus. Ils ont rien à voir. Mais on fait passer des trucs. Achoui, attention. Mes sœurs, mon frère. Mes sœurs, oui. Moi non, quoi, frère. Voilà. Moi non. C'était des trucs qui appartenaient à Claude François, OK Magazine. Moi, je me souviens juste, je disais parfois, quand j'étais jeune... Ah, tu les piquettes, c'est serait, hein, d'accord. Oh, mes grandes sœurs, non, je ne veux pas les toucher, sinon elles me tapaient, quoi. Ah, mes sœurs, mes grandes sœurs, elles me tapaient. Ah, j'en avais vu, elle ne m'aimait pas, quoi. Elle est nerveuse, c'est la nerveuse de la famille, quoi. Elle m'a attrapé par les cheveux, elle me poutait des gifles. Elle s'est battue avec des mecs et tout, quoi. C'est une nana, c'est la rifaine, quoi. J'ai une tante, c'est Pierre, quoi. Elle a eu des dents pétées et tout. Je te jure, ma tante, j'ai une tante, je ne veux pas dire ta taf. Je te dis, un coup de boule sur des types, un coup de poing, un coup de truc. Elle s'est battue avec des affrites au quartier là-bas, où je dis, t'en as, ils lui ont pété les dents et tout, la mâchoire et tout. Tu sais quoi, elle se levait, Mike Tyson, quoi, il y a là, coup de poing. Dans la famille, il y a des femmes, elles sont violentes, quoi. Elle prend un couteau, elle te plante, quoi, je te jure. Il faut y aller mollo, quoi. Putain, ma tante, ma soeur, elle va me planter, quoi. J'y vais cool, quoi. Mais je te jure, ma parole, voilà. Mais pas dire où, mais là, Achoui, il est en train de se faire des ennemis dans la police. Donc, ils vont lui faire un coup tordu. Ça monte jusqu'où, ça? Ça monte jusqu'au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, apparemment, on va donner le feu vert. Le feu vert pour une chose. Éliminer Karim Achoui. Alors, on peut le comprendre de deux façons, ça. Éliminer Karim Achoui en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'on a envie qu'il ne soit plus avocat et qu'il reparte dans le fin fond de je sais pas d'où, ou peut-être que ça veut dire éliminons, flingons Karim Achoui, quoi. Ça veut dire ça ou ça veut dire autre chose? Attendez, je vais chercher mon café, les amis. Raon, ah ouais, Raon, là, l'homme de la jungle, ouais, ouais, oh putain, il y avait, comment ça s'appelle, qui c'est qui se souvient de Blake, le trappeur, Blake, un costaud, un trappeur, il était quand même petit, comme vieux, tout ça, quoi,
Et comment il s'appelait là, Ran, oui, c'est vous parlez de Ran, ouais, je comprends. Il y avait d'autres là, tu sais, le truc. Allez, je reviens. On va parler de criminalité organisée, les amis. Ah ouais, ça rigole pas, les amis. Petit à petit, donc, une équipe va se monter au sein de certains flics de Versailles qui en ont marre que Ashwi. Peut-être ça, quoi. Ou peut-être que quelqu'un a voulu mettre Ashwi à l'amende. Des flics ont voulu faire payer Ashwi. Ashwi, on sait que tu gagnes beaucoup de fric, mec. T'as besoin d'une protection policière. Faut que tu raques. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu payer. Tu vois, il dit non, moi je paye pas. Tu sais. Ouais, mais il te faut une protection tarifée. Peut-être que le milieu protège Ashwi parce que vu qu'il a fait du taf de dingue, t'as vu. Et peut-être que des keufs, ripoux, veulent faire raquer Ashwi, quoi. Ils lui disent, mec, on sait que tu touches des grosses sommes au black. Vas-y, on t'envoie, sinon on te fait comme Al Capone, on t'envoie les, tu vois, la Ginon, quoi. Peut-être ça, mais ça, on ne le saura pas, quoi. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il sait que c'est des flics qui lui ont tiré dessus, ou des flics qui ont payé des types qui lui ont tiré dessus, quoi. Ça, il le sait, quoi, rapidement, et je vous dirai pourquoi bientôt, mais vous allez voir, on va faire ça proprement, bien comme il faut. À l'époque où Antonio Lages se retrouve placé, Antonio Lages, tout le monde le connaît, hein. Il a une équipe à l'époque de Redouane, Faïd, il y a 2, 3 équipes, 4, 5 équipes dans la région parisienne, enfin 4, allez, ouais, 4. On va dire 4-5. Il y a peut-être 2-3 équipes du Sud qui montent des fois, les aider, enfin, on travaille un peu. On fait des équipes à tiroir avec. Hein. Tu prends une équipe de là, une équipe de là, une équipe de là, une équipe de là, 3, 1, 2 types de là, ça fait une équipe à tiroir, quoi. Mais, il y en a un qui monte en puissance, Antonio Lages. Il y a Redouane Faïd qui monte en puissance, mais il a été arrêté en 98-99, quoi. Lages, lui, il est toujours sur place. Sofiane Amli est toujours sur place. Amli passe de l'équipe de Faïd à l'équipe de certains Marseillais, à l'équipe de Lages, à des équipes du 9-3. Et il s'en sort bien, apparemment. Plus que d'autres, quoi. En tout cas, il y a beaucoup qui tombent. Hein. Lui, il tombe pas. Il y a des flics qui le veulent quand même. Hein. Mais il y a des flics qui, apparemment, peut-être le protègent, comme d'autres personnes dans ce livre. Dans ce livre, on sent que des gens sont protégés, quoi. Et bien protégés. On se souvient de ce que disait Daniel. Marseillais réputé qui travaillait pour le compte de la Dream Team, un des patrons de la Dream Team, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait c'est Daniel, quoi. Il disait, je passais 10 ans au placard. Au placard, c'est les balances qui font la loi, quoi. Enfin, qui travaillent avec. Voilà. Mais quand tu sors dehors, c'est la même chose. C'est les balances qui ont du taf et qui font la loi un peu, parce que derrière eux, ils ont les flics ripoux qui les protègent. Donc, c'est les indics qui tiennent le tapin, et c'est les ripoux qui les protègent, qui sont un peu les patrons. Voilà le milieu d'aujourd'hui, comme disait notre ami, l'un des poids lourds de la Dream Team, qui se fera assassiner en 2009-2010. Ouais.
Ouais, Hassan, il y en a partout, mais apparemment, à un moment, elles auraient pris le pouvoir sur une partie du pouvoir dans certaines villes, certaines grandes villes, dans le milieu français. Alors, une époque, 30 ans en arrière, ou 20 ans, 30 ans, on parlait du milieu politisé. Là, carrément, on parle du milieu tenu par des policiers corrompus et des balances, quoi. Ouais. Les frères Bélanger et leur ami Daniel. Oh, attendez. Pas Daniel Bélanger, putain. Ah putain, comment il s'appelle là, le Marseillais? Ah là, j'ai un trou, là, j'aime pas ça là, putain, un type que je connais par cœur, je connais sa vie bien, tranquille, un gars. C'était un bon gars quoi, en plus. Hein. Un bon gars, tu sais, les bons gars, ils sont toujours assassinés quoi. Pote à Karim Maloun, au frère Bélanger, sa fille, elle est handicapée quoi. Il la protège, sa fille. Elle a eu des problèmes avec apparemment des corsicos. Des corsicos qui seraient proches de certains Marseillais, quoi. Ouais. Et elle est handicapée maintenant. Merlini, Daniel Merlini, voilà. Putain, j'ai pas trouvé, mais ma tête, elle a... alors que c'est écrit juste après, il me semble. Daniel Merlini, quoi. Daniel Merlini disait une seule chose. Il est mort en 2010. Et sa fille, elle s'est fait tirer dessus, elle est handicapée, quoi. Elle s'est fait poursuivre, elle s'est fait tirer à la calache et tout. Elle a réussi à rentrer dans un truc de gendarmerie, et là, tu sais, les types, ils ont abandonné la poursuite, quoi. Les pompiers sont venus, enfin bref. Oui, Daniel Merlini. Merlini disait cash comme ça, il disait, aujourd'hui, ceux qui tiennent le tape, le trottoir, c'est les indics, et ceux qui les protègent, c'est les ripoux de la police. Ben, c'est eux. Voilà, ils sont dehors, quoi, les amis, et qui... Il y a 10 ans, quoi, il y a 10, 12 ans, ça, aujourd'hui, ben, la preuve que c'est vrai, regarde, aujourd'hui, les plus grosses équipes de Camtar, elles sont tombées. Il y a eu un braquage, là, il y a eu quelque chose, là, à Paris, là, il y a pas long... il y a 2 jours, quoi, je crois. Ouais, ah, bien sûr, aucun gros clan de gangsters n'est pas. Je suis d'accord avec Stokelo, il y en a beaucoup qui ne sont pas exemplaires. Hein, il y a beaucoup de questions qui se posent à droite, à gauche. Ouais. Et sinon, Hassan, Stokelo, gentil fait, peut-être vous avez entendu dire qu'il y a eu un braquage là. Il y a eu un braquo là, à Paname là. Ouais. Ils ont tapé 2 bijouteries, je crois, des bijouteries. Bien comme il faut, quoi. Et c'est quoi? Il y a 3 jours, on parlait d'un tralut entre. Il y aurait des arrestations sur un braquage qui aurait été fait dans une banque. En 2019, on en avait parlé sur Fréquence rapidement, mais on n'avait pas entendu plus que ça, quoi. Ouais, c'est Chanel, exactement. Ça a tapé chez Chanel. Mais apparemment, il y a celui qui a été fait en 2019, le braquage dans une banque où ils avaient tapé plusieurs confions. Mohamed Amimer, apparemment, il serait entendu, ou il serait dans le coup. Ou peut-être pas, quoi. Du moins, on l'entendrait, on essaierait peut-être de lui mettre ça sur le dos. Donc, il lui faudrait un bon avocat comme Karim Achoui pour le faire sortir. Sauf que les avocats comme Karim Achoui, on les a enlevés. C'est-à-dire, les types qui protègent bien des gangsters gitans ou arabes, on les fait dégager bizarrement quoi. Ceux qui causaient les voyous un peu plus clairs de peau, eux, ils peuvent protéger tous les bandits qu'ils veulent. Clairs de peau, tranquille, il n'y a pas de souci. Un gars comme, je vais pas citer de nom, enfin bref, ça me fait chier de penser ce que je pense, mais. J'espère que ça marche pas comme ça, mais il y a quand même des soucis, même dans la voyoucratie.
on fait tomber l'arabe et on est un peu plus sympathique avec, comme dirait notre ami Manuel Valls, ancien Premier ministre, un peu plus sympa avec les blancs, quoi. Les blancs, blancos, quoi. Oh, putain, merde. Même dans la voyoucratie, c'est comme ça? Eh ouais, Hassan, ouais. Moi, je suis persuadé que Karim Achoui, le type déjà, il fait un taf, ça énerve des stars, ça les énerve à fond. Mais en plus, il s'appelle Karim Achoui, quoi. Ils se disent quoi? Un bico? Un raton? Il va nous casser les couilles à nous. Allez, Marine, vite, Marine! Vite, fous en taule, Marine présidente, fous en taule ce type. Et là, Marine, elle fait 10% de connard. Zemmour, 7%, dégagez de là, ils feront rien, personne n'ira en taule, ils seront là, encore là. Mais quand même, Karim Achoui, ils l'ont fait dégager. Il a essayé dans un premier temps, vu que les Gaulois ne voulaient pas l'aider, il a essayé de se mettre avec les Feuges, parce qu'il a vu que les Arabes, c'est pas la peine. À l'époque, même maintenant, ça pèse pas lourd, quoi. C'est pas lourd. Donc, il s'est rapproché des Feuges. Il leur a dit, vous pouvez m'aider, quoi. Les Feuges ont essayé de l'aider, mais ça n'a pas marché. Il a mangé quand même 100 jours de tôle, mais ça a quand même un peu marché. Il a été voir des francs-maçons. Ça a un peu marché, quoi. Avec ses appuis avec les Feuges, avec certains, quand même, personnes autour de la magistrature. Allez, fait 100 jours quand même, d'accord, je fais 100 jours. Il perd 12 kilos, il fait 100 jours, il n'est pas bien. Mais on lui dit, tu ne feras plus jamais de l'avocat en France. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il était sur une ou deux affaires, hein. Il était écrit, hein. Il n'avait pas le droit, mais il avait quand même foncé, il était au barreau du côté de Amiens ou je sais pas d'où, quoi. Il avait essayé, quoi, il avait essayé, quoi. Ouais. Il va peut-être revenir un jour ou l'autre, quoi. Mais après, il avait voulu rentrer, lui qui n'a rien à voir avec l'islam. Il y a pas de, il fait pas le ramadan, quoi. Moi non plus, en même temps. Mais moi, je suis à moitié mort, à moitié malade. Oui, pour l'instant. Bon, il y en a beaucoup qui le font pas. Chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui vais juger, vas-y, t'inquiète. Mais, Achoui, bon, voilà. Manger du porc, il disait, il mangeait, voilà, il fait ci, il fait ça, il fait là. Donc, pourquoi il cherche à se rapprocher après de la communauté musulmane? Parce que ben, il a un cabinet d'avocats après à Alger, il a plus que ça, quoi. Mais il a pu faire des affaires en France quand même. Il a pu rentrer tranquillement, se mettre à un barreau, pas à Paris où il est surveillé, mais à l'intérieur, à l'extérieur, quoi. À Troyes ou à pas à Troyes, mais à 40, 50, 60, 100 km. 100 km de Paris, quoi. Pas très loin non plus. C'est pour pouvoir, on sait jamais. Voilà, quoi. Et il y a été, depuis peu, il l'était, quoi, encore. C'est-à-dire, tu pouvais prendre, en France, hein, Maître Karim Achoui, tata, il s'occupait de tes affaires, quoi. Mais en dehors de Paris, jusqu'à ce que quelqu'un le balance. Quelqu'un dise, ouais, j'ai eu Maître Achoui, il défendait une affaire en France, ah bon, comment ça? Et les types, ils l'ont fait gicler, quoi. Ouais, carrément. J'espère un jour, il pourra revenir, quoi. Parce que si lui, a été fracassé. C'est pas cool, quoi. C'est pas cool. T'as 400 avocats, Pelletier. Pelletier et bien d'autres, ils auraient dû être déchiquetés depuis longtemps, quoi. Pelletier, comme tout le monde dit, c'est un avocat qui n'est pas de gauche au niveau politique ni de droite. C'est un avocat qui est au milieu, quoi. Au milieu, bah, chez Bayrou. Au milieu du milieu, quoi. Ça a été l'avocat de tout ça. Même Redouane, il l'avait un moment, Pelletier, quoi. Mais bon, il prenait cher Pelletier, il visait pas avancer la cause de Redouane, quoi. Donc Redouane, vas-y, il a changé, il en a pris trois autres après. Ils sont plus forts, ils sont plus promis de moi, parce que Pelletier, tu le prends, tu payes le nom. Le type, il te dit, ok, t'inquiète, tranquille, je vais m'occuper de ton truc. Puis en fait, il fait faire ça par d'autres, quoi. Même pas, il se jette dedans, quoi. Et non, Redouane, il a besoin d'un type qui se batte pour lui. Attendez, excusez-moi, je fais un truc 2 secondes, même pas.
Red, c'était compliqué son histoire. Il s'est, dans un premier temps, mis avec Pelletier, puis après Pelletier, je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, mais cher pour un résultat où Pelletier, ben c'est une belle affaire, quoi. Mais tu sais, il faisait travailler ses collègues, alors que c'est lui qui aurait dû se mettre à fond sur le dossier et trouver ce qui va pas, quoi. Red, après, il a pris un autre avocat. Moi, j'ai voulu rien dire, mais cet avocat, moi, quand je l'entendais parler, c'est un peu comme si Redwood, il était d'avance coupable, quoi. C'est jamais bon, quoi. Ton avocat, il tient avance, il te dit, ouais, mais bon, vous êtes coupable, non? Oui, un petit peu, dites-le, vous êtes coupable. Ah, c'est vous, allez, c'est vous. Allez, on le dira sans juge, c'est vous. Vous prendrez moins. Du coup, je te dis que je suis innocent, connard. Ah oui, d'accord, bon, d'accord, vous êtes innocent. Ok, prenez-le comme ça, monsieur, prenez-le comme ça. Mais vous verrez, si vous... Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Et au final, je suis innocent. Ah, yeah, what? Enfin bref. Non, mais Redouane, ouais. Il en a pris des avocats, quoi. On trouvait les bons. Mais voilà, quoi. Ouais. Et donc, on parlera de Mansouri, des Lagesses, pas mal de monde, pas mal de petites affaires, vous allez voir, quoi. On nous ramène l'ami nous ramène notre ami Maître Karim Achoui. Mais c'est son métier, quoi. Un petit clope, la sortie de Macaron. Mon frère, ouais. Mais c'est hallucinant, quoi, parce qu'il faut des avocats en France. Donc, c'est un avocat, bien sûr. Il est là pour faire son taf, quoi. Et y a des trucs intéressants, quoi. Il a un cousin, Farouk. Farouk, il fait des conneries, quoi. Son cousin, quoi. Donc, on associe souvent Karim et Farouk. Farouk, il est avec Antonio Lagesse, il saucissonne des gens. Il aimait, voilà, quoi. Mais c'est son cousin, c'est pas lui, quoi. Et les flics commencent à se dire que Farouk et Karim, voilà, quoi. Farouk, il est près de Hornet, il est près de ceci, il est près de cela. C'est quelqu'un, hein. C'est un personnage. C'est un gars du grand banditisme, fiché au grand banditisme. Alors, quand t'es avocat et que ton cousin est fiché au grand banditisme, on te fait la misère, quoi. Salam, le Parisien CDLP nous a rejoint, la famille. Il est avec nous. Yes, 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 Hassan. Wayani, il est là. Wayani, Hassan. Pepito 06, Zerizo Pepito. Sauf qu'elle aurait été mère, mes frères. Comment allez-vous? Salam, la famille. Ça va, ça se passe. Ah, les fréquences, tout dit Hassan. Ouais, les fréquences, les fréquences. Yes. Ouais. Ah, dommage, j'ai pas fait le... Ah, là, il faut le faire super bien, quoi, parce que là, on va parler de certains fonctionnaires de la CRIM et de la BRB qui vont faire le taf pour Karim Achoui, ceux hein, qui vont se mettre sur certains types qui auraient pu faire ça. Et en fait, il y a des noms. On va pas mettre Karim Achoui au courant directement, mais il y a des noms qui remontent rapidement. Rapidement, celui de Rudy Terranova remonte. Karim Achoui, on lui dira ce nom-là seulement 4 mois plus tard. 4 à 5 mois plus tard. Et
quand on lui dira, ouais, il faut que tu passes devant la glace centaine, tu sais, pour, là, comment on appelle ça, là, tu sais, t'as la glace, on te voit pas et tu vois des types. On met 5 ou 6 types avec des casques, les mêmes types de casques, tac, tac, les visières, un peu costauds, les gars, tac, tac, regarde à droite, à gauche. Direct, taf, il mate Rudy Terranova, il dit, oh, c'est lui, quoi. Et Rudy Terranova se trouvait au Heps à l'époque avec Jamel Akar, qui est bouillant, très bouillant, chaud, gars de Nanterre, quoi. Et c'est pas n'importe qui. Attendez, excusez-moi, 2 secondes, hein. Je parle avec un de mes chats, non, je rigole, j'ai ma compagne qui a un truc à me dire, 2 secondes, je me dépêche. Et ouais, tout ça, les amis, vous allez voir, cette histoire, elle est hallucinante, quoi, parce qu'elle va nous faire planer, elle va nous faire partir d'un côté, d'un autre côté, elle va nous faire poser beaucoup de questions, des trucs qui vont vous faire halluciner. Bien sûr, qu'Antonio Ferrara, Nino Ferrara, il est là, quoi. Nino qui va peut-être bientôt sortir, il me semble, hein, Nino Ferrara. Oui, Hassan nous dit, regardez un mec qui braque, il prend 30 piges. Et un Nord-Hollandais qui a tué une petite fille, la pauvre. Il a pris 20 ans, l'Hollandais, c'est pas vrai, quoi. Celui qui a tué la gamine, il en a peut-être violé d'autres, il a une maladie grave. Lui, il faut lui couper les couilles, quoi. Un type comme ça, qui est un obsédé sexuel, qui a des pulsions comme ça, plus sur des enfants, même sur des femmes, je sais n'importe qui, quoi. Tu lui coupes les couilles. Tu dis tes couilles, on te garde le zizi pour pisser, le reste, ça ne sert plus à rien, tiens, on te le coupe. Tiens, s'il faut, tu mets un truc, moi je mets un coup d'épée, paf, allez, hop. Tu as coupé les rognons, moi, ça ne me dérange pas, quoi. Ouais. J'essaie de faire de pas lui faire mal, tu sais, paf, tiens, voilà. Laisse les gens en paix, quoi. Ah ouais. Ah, Stokelo, le frérot, qui est un breton. Eh ouais, Manouche Breton, le frère, c'était très très beau, quoi. C'est une très très belle. Ah oui, c'est des bons. Ah oui. Il a le droit de plaider en Algérie, oui, mais pas en France, Hassan. Mais là, il avait fait un petit business, Achoui. Il était revenu dans une petite ville de banlieue. Personne ne l'avait vu. Il pouvait plaider dans des petits tribunaux tout pourris de Cambrousse, chez des bouseux, quoi. Qui pue la merde. Non, je rigole, c'est un gros enfoiré. Non, je déconne. Non, enfin, c'est des gens de la campagne. Hein. Ou des petites villes, ou des moyennes villes. T'sais. Une ville en une heure, t'as fait le tour et il n'y a rien à faire, tu te suicides, quoi, en général. Quoi. Non, je rigole, ça, je déconne.
Mais en même temps, bon, c'est pas faux. Mais et Pafana. Ah oui, il avait fait du bon taf, hein, donc il faisait chier les flics, quoi. Donc il y avait un reportage où on voyait un des flics. Mais on en parlera de ce flic, on dira son nom, tout quoi. Son prénom, qui il est, gardien de la paix, qui a travaillé à Montreuil pour des types qui ensuite se sont retrouvés à Versailles. Et tout part de Versailles, quoi. Tout part de Versailles. Mais derrière, je le répète, Parisien, c'est DLP, mon frère. Ouais. Derrière, je le répète, ça va bien, mon frérot. Ouais, merci. Yes, eh ben, force à toi pour le taf. Ah oui, merci, mon frérot. Merci, un petit pouce. Ouais, yes, c'est un bon, le Parisien, c'est DLP, c'est la famille. Yeah, ouais. Oui, alors, attendez, Wistokelo nous dit, au fait, Jojo, une petite parenthèse, quand tu bois du café à cette heure-ci, rassure-moi. Ah oui, c'est du déca. Ouais. Oui, ah oui, c'est du déca, mon frère. Ouais, je ne serai encore en live jusqu'au milieu de la rue Migé. Oui, exact. Oui, je l'ai dit d'habitude, je pensais que tout le monde le savait. Ah ouais, c'est du déca, frère. Sinon, à tout le temps, hein. Des fois, je bois du déca et je baille. Tu sais, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il fait, boit du déca et il baille. C'est quoi son délire, quoi. Ouais, c'est du... Ouais. Et le reste, c'est une Doliprane, quoi. Sinon... Non, je rigole. Oui, du déca, je te le jure, 100%. Il paraît que c'est pas bon, quoi, que c'est... Ah, t'as vu, ça fait une petite boisson chaude. Sinon, il faut faire un thé, quoi, mais le thé, c'est pire. Ou une tisane, un truc, ou tu sais, les chauds avec du miel, tout ça. Mais c'est du travail, là, t'as vu, là, enfin, c'est vite fait, tu mets le truc, t'as fait pour sortir le truc, là, après, c'est fini. Ouais. Bon. Maître Achoui, donc pour revenir, excusez-moi, je m'évapore un peu, mais c'est vrai parce que je ne vais pas non plus faire 10 ou 20% du live, là. Ce live, il va être trop beau, quoi. Trop beau parce que petit à petit, Maître Achoui, il fait sa petite enquête, il ne sait pas trop, jusqu'à que, bim, un jour, comment ça s'appelle, y a des jetards honnêtes, hein. Il y a des flics qui disent on va pas te lâcher, quoi. On est avec toi, on te protège s'il y a un truc, voilà quoi. Les infos, on va pas te les donner, ils lui donneront pas de suite, mais un jour ils lui donnent. Ils lui disent écoute, on est derrière un type, Terra Nova, Rudy Terra Nova. Ce gars-là, il n'est pas blanc-bleu, quoi, il me semble. Il n'est pas blanc-bleu parce qu'apparemment, je ne sais pas, j'ai pas tout bien compris. Il serait je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on puisse discuter avec lui un jour, Terra Nova, lui dire, mec, ça va. J'ai écrit un livre avec Jérôme, avec Gégé. Gégé, c'est un bon gars. Jérôme Pierrat, c'est la famille. Moi, j'aimerais bien discuter avec Rudy Terra Nova, quoi. Si quelqu'un le connaît, il lui dit, voilà, fréquence radio, bonne chaîne, mec, sur le banditisme, on est au top, on a fait des milliers de vidéos, bon, elles ont été détruites, mais on a fait de la patate. Je pense qu'il a dû peut-être en entendre quelques-unes. S'il était au HEPS et qu'il ne savait pas quoi faire, il avait son téléphone, peut-être, alhamdoulilah, il nous écoutait. Là, peut-être il nous connaît ou... Ben voilà, quoi. S'il veut passer, il passe. Je vais pas lui poser des questions casse-bonbon parce que je suis pas un chien, sinon je pourrais lui poser des questions dont je n'ai pas les réponses. Et ce serait peut-être pas sympa de ma part, donc j'aime pas être comme ça parce qu'à partir du moment où il vient, ce serait super cool de sa part. Et donc ce serait le respect. Sinon, les gens, tu les fais pas venir si c'est pour les attaquer, quoi. C'est pas trop cool, quoi. Ouais. Même si c'est bien quand même voilà, quoi, de faire venir et essayer d'avoir quelques vérités, quoi. Même s'il peut nous expliquer son livre, il peut nous parler de son livre. Je sais qu'il a écrit un livre, donc on pourrait parler de son livre. Moi, je vais l'acheter. Tout ce qui sort de chez Jérôme, moi, ça me plaît, quoi, ça m'intéresse. On va parler de la Tchétchénie, si Rudy il a été en Tchétchénie, tu sais, pourquoi pas. Ou Rosmartan,
Chali, il y avait un laboratoire, un très très gros laboratoire à Chali, le plus gros laboratoire peut-être de cap de l'époque, fait par le cartel de Moscou avec les Vors, Ivzakon, les Voiries tchétchènes, avec Grand Passan, peut-être qu'il y avait des intérêts, je ne sais pas si les Géorgiens avaient des intérêts, tous les Géorgiens avaient des intérêts sur le cartel de Moscou. J'avais fait 2-3 lives à chaque fois sur le cartel de Moscou, très intéressant. Je sais pas, je vais en refaire un, quoi, énormissime, mais voilà. Je pensais que, enfin, je sais pas, je vais voir si Maria l'a récupéré ou pas. Je le remettrai ou je le refais, quoi, comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Je le refais en mieux, même. Très, très gros. Le cartel de Moscou, c'est peut-être ceux qui ont été poussés par Saint-Pétersbourg, ou qui se sont entendus avec eux, et qui finalement ont pris le pouvoir en Russie, quoi. Ça ne m'étonnerait pas, quoi. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Poutine fait un peu son mafieux, quoi. Moi, je suis anti-Poutine. Voilà, je sais que ça dérange. Il y a plein de gens qui nous ont quittés par rapport à ça. C'est pas que je suis anti-Poutine, mais j'en ai marre que des gens, ils suivent enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi, mais c'est malhonnête, quoi, c'est malhonnête d'être bien d'un côté, mauvais avec l'autre. Non, il faut être pourri avec les deux côtés. Pour moi, la Russie, c'est une merde, autant que les États-Unis, quoi. Ils n'ont jamais rien fait de bon pour personne. Et quand ils disent, la Russie, on a 21 millions de morts, c'est nous les vainqueurs de la grande guerre contre les Allemands, c'est faux. C'est l'Union soviétique. Et sur les 21 millions de morts, il y a eu entre 8 et 10 millions d'Ukrainiens qui sont morts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Ukrainiens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale en combattant les Allemands ou en étant prisonniers et en étant dans les camps que de Russes. Peut-être que les Russes sont ceux qui ont le moins... parce qu'on faisait passer ceux du Caucase, ceux d'Asie centrale, ceux de Sibérie orientale, avant les Russes. Et avant les Russes, même, avant que toutes ces troupes-là arrivent, les Russes, on faisait passer qui avant? Les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens, les Biélorusses, les Ukrainiens, enfin voilà. Puis après, bon, pareil, qui se sont frités. Faut regarder le nom des fronts. Un front, c'est un groupe d'armées. Le front Ukraine TAF, le front Donbass, le front machin, c'était l'armée rouge, ça. Et des millions et millions d'Ukrainiens sont morts pendant... l'Ukraine, elle a été maltraitée par l'armée allemande, faut le voir, quoi. Les types, ils étaient... Et les Russes ont interdit de se venger en Allemagne, de violer, de tuer, de massacrer. Alors, dis donc. Ouais. C'est une réalité, quoi. Les soviétiques, les Russes, Poutine, ils confondent soviétiques et russes, quoi. Bon, on en avait déjà parlé sur Fréquence Radio. Même Zemmour, il avait fait l'erreur. Eh ouais, ouais. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout de tout ça. Ce qui est plus important là, c'est le grand banditisme. Et donc, ces policiers, quoi, ces policiers. Il y en a un, il y a une lettre. Une lettre de Rudy Terranova. Écoutez bien ce qu'il dit Rudy Terranova. Quand il est en prison, il est arrêté. Alors, je vais faire le grand saut. Hein. Je vais pas vous dire comment c'est remonté jusqu'à Terranova, tout ça. Tout ça, vous le saurez quand on fera avec Maria le gros live sur Maître Achoui, quoi. Parce que là, il y a du Antonio Ferrara, il y a du Rudy Terranova, il y a les frères Accard, il y a Tatati, Tatataf. Il y a des grosses pointures du milieu, quoi. Ça rigole pas, quoi. Mais à un moment, il se retrouve en tôle, Rudy Terranova, et en gros, on lui fait comprendre que... parce que regardez,
Maître Achoui le reconnaît quand Rudy Terranova et d'autres personnes rentrent. Mais apparemment, il a été innocenté. Donc Rudy Terranova est innocenté au final. Alors que, apparemment, Maître Achoui l'a reconnu. Il dit, c'est lui, quoi. Il l'a reconnu une première fois entre six personnes, avec des casques intégrales, la visière relevée. Il regarde. Ouf ! Ah, c'est lui ! Oh là là, je le reconnais, je l'oublierai jamais. La première fois que je l'ai vu, il était sur moi avec un flingue, il voulait me tuer. C'est lui, j'en mettrai. Il a pas dit j'en mettrai ma bite à couper. Parce que le pauvre, il a pris une balle dans la bite, il a perdu un bout, quoi. Mais il le reconnaît. Mais apparemment, ça serait pas lui, quoi. Mais qu'est-ce qu'il écrit à un commissaire quand il entole Rudy Terranova? Un commissaire que Karim Achoui a dénoncé et se méfie. Il lui écrit « Je ne veux pas rester en prison. Je ne serai pas le seul à rester. Il faut me faire sortir de là. Sinon, mec... tu vas me rejoindre, quoi. » Ah. Alors là, le commissaire Lapère, quoi. Lapère, il n'y en a pas deux. On parlait de la bite à... Enfin, on parlait de la zigounette à Karim Achoui. Là, on parle de Lapère. Il n'y en a pas deux. Paire de couilles. Hein. On parle de type de menthe la jolie. Donc en gros, en révélant en gros l'implication de Terranova à sa hiérarchie à l'époque et à ses collègues parisiens de la crime. Sans donner le nom de la source qu'il avait renseignée le 20 décembre 2007, le dénommé Lapère, en gros, se forgeait non seulement un alibi, mais surtout une assurance tout risque lui permettant d'échapper à des poursuites judiciaires et à des risques d'incarcération. Lui, Karim Achoui, pour sa part, il s'interroge encore et encore et encore sur les raisons qui conduisirent le juge Périès à n'entendre le commissaire Lapère qu'à la demande de Karim Achoui. C'est-à-dire qu'on a un commissaire Lapère qui est mouillé jusqu'au cou là-dedans, et je vous dirai pourquoi la prochaine fois, mais je vous garde ça. Comme ça, ça vous fait réfléchir, là, vous allez voir les amis. Vous aurez quelques temps pour réfléchir et pour revoir cette histoire qui est énorme. C'est une affaire d'État. On est en train de parler d'affaire d'État, quoi. Achoui, il est parti voir des francs-maçons pour l'aider. Il faut le savoir. Il est parti voir des feuges haut placés. Il faut le savoir. Il est parti voir des Arabes aussi. Mais, j'ai dit, bon, on se verra plus tard, quoi. Tu as compris, quoi. J'ai dit, non, c'est pas moi. Et encore, c'est plus de 3 mois après que Achoui demande à ce qu'on entende Lapère, que Lapère va être entendu avec des éléments accablants qui étaient connus à l'époque, en plus de la justice et des services de police, qu'avait en gros ce flic comme relation suspecte avec ce voyou. Nommé Rudy Terranova, quoi. Donc, quand on dit que Terranova a flingué Achoui, on peut penser qu'il a été manipulé par Lapère, un flic haut placé du côté de Versailles. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit Terranova? Terranova, donc, il est inculpé, hop, il va au placard, quoi.
Parce que la paire Eternova, eux, ils connaissent la vraie vérité. Terra Nova, donc, va écrire, après son incarcération, une lettre de menace à la paire, au commissaire. Il lui demande de le faire sortir de prison, ajoutant que si ce n'était pas le cas, la paire viendrait vite le rejoindre derrière les barreaux. Donc là, Karim Achoui demande à ce qu'on interroge Terra Nova pour qu'il en dise plus. Ben, l'interrogatoire de Terra Nova, qui devait se faire début juillet, va être annulé et aucune nouvelle date ne sera fixée. Ouais. En gros, on ne cherche pas à entendre Terra Nova. On cherche plutôt à le calmer et pourquoi pas à le faire sortir, mais surtout à lui éviter d'envoyer des courriers à la paire où il raconte des choses qui pourraient nuire à la paire. Ouais, parce que Aliomari défend la paire. Pour quelle raison? Ouais. Là, je vous donne juste un petit peu des petits trucs et tout là, mais vous verrez que bientôt, quand on va en reparler, cette histoire, elle est énorme, 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 énorme. Vous verrez comment ils arrivent à. T'as des policiers qui font super bien le taf, hein. C'est eux qui vont fournir à Maître Karim Achoui de nombreux, nombreux, nombreux renseignements, quoi. Ce qui lui permettra de pouvoir, avec la petite enquête qu'il fait à côté, de monter un dossier important. Et il en arrive à. Est-ce que c'est une affaire d'État ou pas, quoi? Ouais. C'est une affaire d'État. Ouais. N'importe quel pays. C'est très curieux, quoi. Ça parle beaucoup de hackers. Cette histoire, les amis, elle va vous plaire, quoi. Donc, il y a des histoires de indicateurs, de balance, peut-être, etc., 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 quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de. Pépito qui nous dit, j'ai les paupières lourdes, je risque le hors-piste. Ah ouais, on commence à être tous KO. Putain, il y a 2 h 30. Ouais, demain, samedi, je vais aller faire 3-4 petites courses, moi aussi, quoi. Je voudrais dire un truc, mais qui soit pas. Voilà, un truc dont après je regrette. Je me suis dit, ah merde, j'ai trop parlé, quoi. Mais non, quoi. Parce que je veux vraiment garder toutes les surprises du truc, tu sais, rentrer dans le machin. Voilà, vous faire baver quand vous allez écouter ce live voilà, que je vais faire bien comme il faut, quoi. Ouais.
c'est référent. Les amis, je vous embrasse, hein, les amis. Attendez, quand même, on va passer. Parce que après, sinon, j'essaie de fouiller, voir s'il n'y a pas un petit truc. Mais là, on tombe directement dans la corruption, dans les tatata. On parle même de témoins de Jéhovah qui sont. Voilà quoi. Les témoins de Jéhovah vont foutre là-dedans, quoi. Les témoins de Jéhovah, quoi. Pourquoi pas des. Ouais, les amis, bah, écoutez, voilà, un truc, y a plein de... Ah, au marché, non, je ferme mes courses, le marché c'est dimanche, frère, ouais. Donc ça dépend, t'as un marché le mercredi, si t'as plein de bled en fait, à 20 km, t'as un marché le mercredi, par chez moi t'as un marché le vendredi, le samedi, il est pourri, le samedi que par chez moi c'est un petit bled tout pourri quoi, et t'as un marché le dimanche, il est bien quoi, mais t'en as un deux même en fait, en vérité, il suffit de faire 20 ou 30 bornes, tu sais. Sinon t'en as un le samedi quoi, par chez moi, mais franchement, ouais, bof, ouais. J'étais en train de lire un peu, là, de relire des petits trucs vite fait, excusez-moi, c'est vrai, je me suis emporté dans le livre, là, et tout, parce que j'aimerais bien dire deux, trois autres trucs, mais je me dis, merde, après, dans ce que je vais faire, ça va, ou sinon, autant tout faire maintenant, quoi, mais j'ai pas tout, En tout cas, retenez bien certains noms, quoi, commissaire Richardo, quoi, Richardo, En tout cas, rapidement, la piste Rudy Terranova va remonter. Karim. Ouais, 20-30 bornes. Et non, parce que c'est 4 voies, c'est des routes de campagne. Sinon, tu sais, t'as des 4 voies, c'est tranquille, quoi. C'est des 4 voies de campagne, en fait, ma parole. Ouais, c'est tranquille, frère, hein, c'est vite fait, quoi. Alors, il y a des... Regardez. Le truc. Ah, oui, il est sûr que... C'est Rudy Terranova qui l'a flingué. Il le reconnaît, c'est lui. Là, ma main a coupé, c'est lui, quoi. Ouais, ok. Terranova est emprisonné. Mais Terranova, au final, il est innocenté. Et c'est pas lui, quoi. Mais il s'est passé quoi? Pour que ce soit lui, il y a une partie de la police qui dit « Ouais, c'est lui, on le suivait, tatataf. » Mais en fait, c'est pas lui. Il s'est passé quoi? On a voulu accuser un homme. On a voulu que ce soit lui le responsable à tout prix. Pour protéger qui? C'est-à-dire qu'on voulait que ce soit Rudy Terranova. Ou alors c'est lui. Puis à ce moment-là, on ne protège pas, là. Carrément, on l'empêche d'aller en prison, on le surprotège. On le méga surprotège. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des raisons, des jeux. Je sais pas.
Mais qui le protégerait? Pourquoi? Il ne le connaissait pas, non. Non, 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 non. Non, il ne le connaissait pas. Il ne sait pas qui c'est, quoi, en vérité. C'est la première fois qu'il le voit. C'est pour ça qu'il se demande qu'est-ce que vient faire ce gars. Il n'a jamais été client chez moi. Il le reconnaît parce qu'il l'a vu quand il lui a tiré dessus. Il a reconnu son visage avant même qu'il le poursuive. Il le regardait, il le voit sourire. Il voit son visage. Et quand il est sur lui, il regarde son visage. Il dit un visage que j'oublierai jamais. Et quand il le voit que des flics balisent, tu sais, 5 types, 5-6 types, ils disent vas-y, bah, tata, reconnaissez. Il dit mais c'est lui, je le reconnais direct. C'est lui qui était au-dessus de moi avec un flingue. Donc c'est lui qui a tiré, quoi. On apprend que ce gars-là est protégé par quelqu'un. Donc, et puis pareil, le chauffeur de la moto, apparemment, Jacques Haddad. Les stars autour d'eux, quoi. Le truc, c'est qu'ils avaient rentré en tôle des infos donc tordues, quoi. On l'a dit ça tout à l'heure, et qui font que Achoui, ça arrive aux oreilles d'un frère Akar, Jamel Akar de Nanterre, et H. Et Jamel, soi-disant, c'est lui qui en aurait parlé à Terra Nova, quoi. Soi-disant. Mais on sait que les histoires tordues, tu sais, on te met les types à côté de toi, tatatac, hop, on te met l'affaire, et hop, le type il est à côté de toi, pim pim pim, tu ferais l'affaire. Ouais, je connais l'affaire, ouais, mec. Tu veux faire le plan? Ouais, tata, frère, et n'est laissé au hasard, quoi. On te fait croire que c'est le hasard. On te fait croire que le type, c'est toi qui l'as choisi, mais en fait, on te l'a mis entre les pattes, et le gars, il te truque le cerveau, ce qui fait que le gars, il te prend pour un con. Il te dit, mais tu te rappelles, j'ai fait ça pour toi. Ah non, mec, t'as pas fait ça pour moi, tu l'as fait tout seul. Tu m'as dit, moi, j'étais d'accord, tu me fais ce que tu veux. Mais je t'avais dit 3-4 fois que je voulais pas. Enfin bref, allez, soit comme ça. Pas pour un con. Mais lui, apparemment, déjà, quand il envoie son courrier, là... À la paire, un autre flic qui fait partie de tout ça, quoi. Falco, Jojo, tu connais? Non, je connais pas Falco. Falco, le chanteur? Falco, Der Kommissar. Il y avait un chanteur qui s'appelait Falco, il me semble, ouais, Der Kommissar. Kommissar Getrom. Kommissar, Kommissar Getrom. Ça parle de... je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, quoi. Donc, pendant des mois et des mois, il va en tôle. Mais il est innocenté, quoi. Donc, apparemment, notre ami serait innocent, quoi. C'est pas lui qui a tiré. Rudy Terranova, donc, ne serait pas l'homme. Et vous allez voir que après on en parlera après, vous allez voir. Famille Akar, ouais, c'est des grosses têtes à Nanterre. Ouais. Rudy, donc, Terranova, qui va en tôle, qui est interpellé, qui va au placard. Avant son interpellation, il aurait remis à un éditeur un manuscrit, quand même, hein, qui raconte ses liaisons dangereuses avec la Break de Versailles. Cette même break que, en partie, Karim Achoui montre du doigt en disant « C'est eux qui sont responsables de ma mort. » C'est un peu comme si c'était eux qui avaient tiré. Ok. Rudy Terranova, donc... qui est soi-disant l'homme qui a tiré sur Karim Achoui. Karim Achoui l'a reconnu, il dit c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Il y a même des preuves, on va en parler de ça quand je ferai le truc, des preuves qui prouvent que c'est lui.
Mais au final, c'est pas lui. Et Karim Achoui fait seulement 100 jours de prison, après être passé par certains lobbies, certains, voilà, qui peut-être lui ont dit, ce serait bien que tu arranges à Falco le chanteur. Der Kommissar, trop tard, je vais me refaire. Ah, Wally Chelsea, le frérot, Wally Lux. Ben, là, tu vas te régaler, mon Wally Lux. On parle de tout en plus. Hassan est monté tout à l'heure, quoi, juste avant que tu arrives. Et il était en string. Le salopio, il était en string. Tu dis, ah, Jojo, voici. Il est mort. Oui, Falco, il est mort. Il est mort sur une île. Il a eu un accident avec un véhicule de golf, là. Tu sais, les petites voitures de golf, là. Les voitures, il y a un truc comme ça, tu sais, une petite voiture qui va vite, là. Tu sais, un truc sans permis, là. Paf, poum, poum. On pourrait faire une enquête. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'on l'a fait. Je ne sais pas, quoi. Mais... Ah oui, la Wally, le frère, là, ça va être. Ça va être super, mon frère. Comment vas-tu, gros? Ça va être une queue de la famille? Voilà, ouais. Donc, la break de Versailles est en partie, les amis. Mais ça, je vous le referai bien parce que j'essaye de trouver des petits trucs que je pourrais dire encore qui, comme ça vous donnera envie de. Mais vous allez voir, quand on va le faire, jamais la carte, quoi. Notamment, lui ne reconnaît pas qu'il avait déclenché la moindre affaire criminelle contre Karim Achoui, quoi. Mais Daoutiam, lui, qui en se mettant à table, oui, il va se mettre à table, lui, Daoutiam, aurait bel et bien, lors de son interrogatoire, confirmé le déroulement des opérations visant à abattre Achoui. Ouais, c'est que cette histoire, ils l'ont mis pif pif. Après les 4 journées de garde à vue, Haddad, Bordier et Karbash furent néanmoins mis en examen, inculpés de tentatives d'assassinat en bande organisée, puis incarcérés dans différentes prisons d'Île-de-France. Ouais, et Rudy Terranova, donc comme je vous ai dit, il a envoyé une lettre au commissaire Lappert en lui disant, mec, Lappert lui passe pour un héros, quoi, le type qui est, voilà, dit, écoute, tu me fais sortir de là, ou moi j'ai des preuves. Et voilà quoi. Ah ouais, il aurait été grillé. Moi, bon, il me semble qu'il y a eu. Ah ouais? Ah bah, tu vois, je savais pas quoi. C'est vrai que, je sais pas, sa voiture s'était retournée. Et sinon, il est mort quoi. Ouais. Donc. Et voilà quoi. Mais écoutez, pour ce soir, je pense que on en a un peu assez dit. On a raconté quelques trucs. J'espère que ceux qui n'arrivaient pas à dormir vont réussir à dormir. On a encore 37, les amis. Hein. Ah ouais, pratiquement 3 heures du mat. On était 40 et quelques tout à l'heure. On est encore 37. Et la paire, comme nous dit Hassan, c'est le mot de la fin. La paire, il n'y en a pas deux. Oui, souvenez-vous de ce sera donc le mot du un peu la comment on dit là, je suis un peu fatigué, mais ce sera un peu la phrase philosophique le merde, comment on dit ça là, putain, merde, qui peut m'aider là, enfin bref, voilà. Le petit truc philosophique du soir, quoi. La paire, il n'y en a pas deux. Ouais. La paire, il n'y en a pas deux. Voilà, comme certaines grosses connes. Ouais, on se capte demain, Inch'Allah. Et... À demain, là. Oula, attends, demain, samedi. Ouais, j'ai des petits trucs à faire. Mais frérot, peut tout se capte. On s'en fout, de toute façon. Allez, hop, je suis chez moi en 2 minutes et tout allumé, hop, et c'est parti, bon, ce boubi, quoi. On se fera un petit truc le soir, peut-être. Je pense que le soir, il n'y aura rien à faire, je serai fatigué, quoi. Ouais. À
attends, y avait pas un petit truc, et je cherchais un dernier truc là qui aurait pu vous faire bien faire cogiter sur cette affaire. L'affaire à Ashwick, quoi, essayez de l'autre côté, tu sais, d'en lire un petit truc comme ça, voilà, quoi, vous allez voir, quoi. L'IGS, quand même, annonce ça a eu un moment, quoi, et c'est important, hein. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont importants, qui sont là-dedans, qui font que vous dites, mais c'est bon, cette histoire, ok. Là, Ashwi, il n'a pas tort, quoi. Oui, la paire, il n'y en a pas deux. Ouais. La paire, il n'y en a pas deux. Il était con. Il était vraiment des concons. Mais c'est marrant à l'époque. Voilà, c'était marrant. Aujourd'hui, des pubs comme ça, t'as vu, ils ne savent plus les faire, quoi. Alors, ouais. À peu près, donc, fin août, alors que tout semblait se précipiter, l'IGS annonça que, au vu des éléments recueillis, il y avait bel et bien lieu d'ouvrir une information judiciaire par rapport à certains commissaires divisionnaires, quoi. Peut-être ce service, un divisaire commissionnaire, un gars très intelligent, très courtois, d'une grande honnêteté intellectuelle, comme nous dit Karim Ashwi. Et lui, il s'est dit, Karim, ce gars-là, il va m'aider. Et oui, le type, il veut l'aider. Et il lui dit, cash, il dit, ton affaire est pu. C'est-à-dire que t'as le patron de l'IGS qui te dit, il y a des flics qui sont ripoux, mais ils sont protégés par la ministre. Et apparemment, quand tu leur parles de un tel qui aurait pu être responsable de ta mort, on dit que ces types-là sont protégés parce que c'est des agents des services. Protège, quoi. Protège la France, ces gens-là. Bon, attention. Terrorisme, je ne sais quoi. Peut-être, attention, tout reste au je ne sais quoi, enfin, moi je suis fatigué, je ne me souviens plus, mais tout reste à l'impératif du subjonctif, du plus que parfait, du passé simple, du machin chouette, du truc machin. Voilà. Mais quand même, beaucoup de questions à se poser, quoi, parce que Karim Ashwi reconnaît Rudy Terranova. Rudy Terranova dit c'est pas moi, mais apparemment l'enquête arrive à prouver que c'est lui, mais pourtant au final, ce ne sera pas lui, quoi. Alors comment vous expliquez ça? C'était peut-être pas lui, quoi. Mais c'est qui alors? Ah, les amis, tout ça, vous allez bientôt le savoir, et plus que ça, vous allez comprendre qui sont ces flics dont on ne cite pas les noms pour l'instant, mais dont on ne va pas se gêner. On va remonter jusqu'à l'Indien, jusqu'à Nordine Mansouri, jusqu'à les frères Hornec. Ouais, la gelée, quoi. La gelée, alors la gelée que les services de police ont longtemps en raison, soi-disant, hein, de l'état de son présumé liquide, son cerveau un peu présumé liquide, de son cerveau pour les uns et à cause de son énorme ventre pour les autres. C'est comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, soi-disant. Ben, soi-disant, c'est pas ça, quoi. Il a grandi à Montreuil, et si on l'appelle la gelée, c'est parce qu'il mangeait beaucoup des bonbons à base de gelée, quoi. La gelée de porc, quoi. L'haldouf, ouais. Mais je sais pas. Ben, le frère qui m'a dit ça, tu sais, on n'est jamais sûr de rien, quoi. Comme on n'est pas sûr de ce que dit le truc, la police. Moi, je pense plus à mon poteau qui me raconte que, mec, à l'époque, on appelait l'inspecteur Tahar. Ah, c'est le meilleur. Oh, ben, Hassan, si je connais pas l'inspecteur Tahar, mon frère. Eh ben, 41 personnes nous suivent, les amis, c'est beau. 42. Allez, 43. Allez, une 43e personne, là, ça fait plaisir, quoi. Allez, allez, la famille, oui. Donc, là, on est donc sur une piste, les amis, où peut-être que des innocents vont en prison. Il y a une manipulation policière, quoi. Des flics manipulent des types comme des pions. Ouais. Mais Ashwi, au final, il a perdu. Il a perdu. Il a essayé d'aller voir des grosses têtes pour essayer de le remettre dans la danse, pour qu'il garde sa place. Des gars issus de lobby puissants, quoi. Ou assez puissants, pas aussi puissants que l'extrême droite ou que d'autres, ou que certains le disent. Avec l'apprenti. Ouais, l'apprenti, inspecteur Tahar. Ah ouais. Il y a Rezeg qui nous fait des fois des imitations
de l'apprenti. Il est très fort. Hein. Et Mohamed Benfira, il nous fait l'inspecteur Tahar. Je leur demanderai, Hassan, de te le faire la prochaine fois pour toi, exceptionnellement. Parce que je sais que tu es un amateur de l'apprenti de l'inspecteur. Et tu verras que c'est très fort. Quoi. Mais dans cette affaire, il n'y a pas d'apprenti ou d'inspecteur Tahar. Il y a des ordres qui ont peut-être été donnés. Et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On a eu des ordres qui viennent de très très haut, qui disent cet avocat, comme d'autres avant, dans la magistrature, le juge Renaud, le juge Michel, le juge qui s'est fait assassiner en Afrique, qu'on avait envoyé un peu là-bas, le juge, putain, qui me trouve le nom du juge qui s'est fait assassiner, ah purée, putain, je la connais par cœur en plus, cette histoire, un petit peu là, avec le fils du président local à Djibouti, une base qu'on a perdue pour la donner aux Américains, alors que cette base à Djibouti, elle était, mais on avait une super base. Qu'est-ce qu'on est parti filer ça aux Américains, quoi. À savoir si le juge, il n'enquêtait pas là-dessus. On leur fit pratiquement gratos, alors que les Anglais, leur territoire, ceci, cela, ils les ont vendus, quoi. Très cher aux Américains. Et encore sur 99 ans, pas plus, d'autres sur 50 même. Ouais, contre du gros matériel de guerre et contre beaucoup, beaucoup d'argent. Et nous, on leur file, quoi. Djibouti, ouais, c'est bien placé. Ah ouais, c'est super bien placé. C'est ce qu'il y a de mieux placé. Ouais, super. Mais t'es quoi, les Américains? Nous, on se casse, on vous le donne. Ok. Putain, il y a des fois. C'est terrible, hein. C'est terrible, la famille, quoi. Ah, il y a Walid qui nous dit, désolé, j'ai pas le nom. Ah, l'apprenti. Ah oui, d'accord. L'apprenti, c'est le meilleur. Ouais, ouais. Jojo Nordine, c'était un morceau très connu dans la région parisienne. Oui, Nordine, ah ouais, ouais, je l'ai, attention. Hein. C'est quelqu'un, mais il n'y a pas longtemps. Bon, tu vois un peu le parcours des frères, il y a quelques années sur le blog de Jérôme Pirat, tu sais, les frérots, quoi, ils étaient très connus, ouais, avec Mohamed Amimer, l'Indien, la gelée, et toutes les pointures du 9-3, quoi. Des gars qui ont tourné avec les Hornecs, à une époque où il y a eu une guerre avec l'équipe de Claude Genova, jusqu'à ce que Claude soit emprisonné, et que derrière, plus de gens qui se disent « Merde, il fait payer les copains, quoi !» Et puis, quand un copain, il paye pas, il a fait un sale coup à certains, quoi, un des neveux de Nordine Mansouri, quoi. Alors qu'ils ont fait la guerre pour Genova, quoi. Ils ont rendu des services, quoi. Puis ils leur fait des sales coups, quoi. Enfin, les Benali n'aimaient pas trop Genova et Mouhidine, ni les Hornec, quoi. Ils les auraient bien flingués, quoi. Mais Genova tombe au placard et... Les autres en profitent pour s'en prendre à sa team un peu, par d'autres. C'est son first style, c'est nous. Et puis quand il sort, il y a un contrat. Et il y a deux types qui viennent pour calmer l'affaire qui existe entre des hommes de Genova et deux gitans de la famille Desmarais qui se sont fait flinguer par des hommes de Genova. Genova, il dit, je te file 800 000 balles au père, on oublie tout. Il dit ok, quand il va chercher le pognon, c'est deux gardes du corps à la campagne pour prendre de l'argent et descendre dans le sud pour les gitans. En vérité, ils ont des armes. Pam, pam, pam. Il s'appelle Genova, quoi. Qui était sorti pour un week-end et qui devait rentrer en tôle. Mais il n'allait pas tarder à sortir. Et s'il sortait dehors, il aurait gagné la guerre, quoi. Et là, il le flingue avant, et puis bon, c'est la fin après. Les gars de son équipe, ils se cassent à droite à gauche, certains vont mourir, mais enfin bon, c'est... Et tout ça, ça remonte à des gars qui traînaient beaucoup avec Titi Pelletier. Titi Pelletier qui avait monté une équipe assez... Attends, je m'en occupe.
Merci aux 41 personnes d'être avec nous à pratiquement 3h du matin. C'est sympa, la famille. L'autre qui a écrit Marine Le Pen, ceci, cela, ne revient plus ici, quoi. Ne reviens plus ici avec ton Marine Le Pen et compagnie. Meurs ta gueule, parce que je vais être très chiant, quoi, sinon, avec toi. Très emmerdeur, quoi, très emmerdant. Tu viens sur mon chat, tu écris « Vive Marine Le Pen !» Chez moi, tu me fais ça à moi, quoi. Je suis très en colère après toi, quoi. Très en colère. Enculé. J'ai envie que ta mamie... Enfin bref, je vais pas dire de conneries, mais... Très en colère, quoi. Et c'est ça, Hassan. Ouais. On a envoyé en première ligne pas mal de harbi, quoi. Les Gitans ont fait pareil un peu aussi. Hein. Les Gitans, ils ont envoyé les Arabes en première ligne dans le 9-3, dans pas mal de... on faisait la sécurité, des boîtes de nuit, ceci, cela, mais on était plus fort là, donc faire la sécurité ou ceci, cela, quoi. Et on a envoyé beaucoup d'Arabi, régler des comptes, etc., etc. On faisait le taf, quoi. On faisait le taf et on peut pas monter en grade. Dans ce milieu-là, le milieu parisien était un peu dur avec les Maghrébins, quoi. Où ils sont vite morts, quoi. Voilà, tu sais quoi, c'est des types qui font deux, trois beaux trucs et qui se font flinguer derrière. À quoi ça sert? À rien, quoi. Tu as montré l'exemple. Quel exemple? Celui où tu te fais flinguer derrière. Bah merde, au final... Ouais, on se fait avoir, quoi. On s'est trop fait avoir ces dernières années, ces dernières décennies, ces dernières et dernières et dernières décennies. Ouais. Mec. Donc, est-ce que le fait que qu'est-ce qu'on reproche aussi, un truc qu'on reproche qui est très grave, mais il est avocat, comme il le dit lui-même, Pétain avait eu droit à un avocat. Pourquoi donc il va y avoir un assassin dans les années 80, fin 80, quoi. Il y a le premier assassin d'une policière. Une policière, Catherine Choucroune, se fait tirer dessus au fusil de chasse par un type. Les types sont là pour taper, je sais pas quoi, une banque, etc., etc., quoi. Et Catherine Choucroune est dans une voiture ou un truc comme ça. Aziz Oulamara lui tire dessus, quoi. Sans voir qu'elle est femme ou sans comprendre, il y a des flics, ça tire partout, pam, 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 pam. Il touche cette femme à la gorge, et je ne sais où. Elle n'a pas de gilet pare-balles, je pense, à l'époque. Et cette femme est morte. Eh ben ça, n'importe qui aurait défendu cette affaire, ça serait parti, ça serait passé, tu sais, comme une lettre à la poste, quoi. Sauf que c'est Karim Achoui qui défend, quoi. Ouais. Et là, il défend bien.
bien son client, quoi. Je dis, ouais, voilà, c'est comme ça. Pétain a eu droit à une défense. Tout le monde a eu droit à une défense. Des assassins d'enfants ont droit à une défense. Les tueurs en série, les plus grosses merdes de la planète ont droit à une défense. Ben, cet homme a droit à une défense. Il a tiré sur des policiers, vous voyez, qui sont là pour. Mais c'est un métier dangereux, quoi. Dire policier, tu vas sur le chantier, c'est plus emmerdant. Mais t'as 20 fois. Enfin, ça dépend, hein, dans les chantiers, c'est dangereux. Je pense qu'il y a peut-être plus de personnes qui meurent dans les chantiers que dans la police chaque année, quoi. En attendant, tu me diras, il y a peut-être plus. Proportionnellement, même, ça se trouve, remarque. Enfin, bon, il y a des métiers dangereux et la police en fait partie, oui, bien sûr, mais. Voilà, quoi. C'est dangereux, ouais, l'armée, c'est dangereux. Un peu comme si un gars qui va à l'armée, qui dit, mais j'ai été blessé, quoi. Oh, mais mec, fallait pas aller à l'armée si tu voulais pas te faire tirer dessus ou tirer sur quelqu'un. Hein. Si tu vas à l'armée, tu vas dans une bataille et que après, tu t'en plains. Ah, j'ai écrit un livre, qu'est-ce que m'a fait, que m'a fait faire la défense nationale? Ils m'ont envoyé combattre sur un terrain, quoi. J'ai vu deux copains blessés, un mourir et moi, j'ai été blessé. Pas vraiment, mais pas loin, quoi. Voilà, j'ai failli être. Voilà. Ben ouais, mais bon, faut pas être militaire. Hein. Bon, là, c'est vrai que Catherine Choucroune, elle était enceinte en plus, tout ça. Enfin bref, tout ce qui. Voilà. Et Aziz Oudamara, ouais. Ouais. Oudamara lui disait qu'il n'avait pas participé à cette fusillade dangereuse, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, écoutez bien l'histoire, là, Oudamara, à un moment, va virer. Karim Achoui. Achoui est mal vu hein, d'avoir défendu cet homme-là, quoi. Mais Oudamara, à un moment, va virer Achoui et va le remplacer par une autre avocate. Écoutez bien, cette avocate me débarque donc de son affaire et me remplace par une avocate de Nanterre qui, elle, coïncidence ou non, quelques années plus tard, était infiltrée par la police, elle aussi. C'est elle qui avait été un temps ma secrétaire, la demoiselle nommée Salia Mounsouni, suspectée d'avoir bel et bien infiltré mon cabinet, se vanta par la suite d'avoir fait tomber cette consœur des Hauts-de-Seine et de l'avoir fait enfermer en prison. Était-ce là le fruit du seul hasard que cette double infiltration concernant deux avocats ayant osé accepter de défendre le même tueur de policiers. Alors il faut le dire, quoi. S'il y a des gens qu'on peut pas défendre, ben, il faut le dire, quoi. Voilà, quoi. Les gitans, les arabes, les blacks, on peut pas les défendre. Ok. Moi, à la rigueur, je me serais dit peut-être un gars comme Sarkozy. Indéfendable, tu sais. Si, si. Défendable. Pétain. Indéfendable, Pétain. C'est le pays qui l'a trahi, Pétain. Donc, des blacks, des immigrés, tous les quatre coins de l'Empire français, mais surtout l'Afrique du Nord et l'Afrique, viennent libérer la France. Mais leur petit-fils. Ils sont traités. Ouais. Voilà, les amis. 3h03, on est 38. C'est cool. Faites tourner la vidéo, les amis. Hein. Ah, les droits de l'homme, ouais, c'est spécial, Hassan, t'as vu, c'est pas.
Voilà, faites-la tourner, les amis, si vous la trouvez intéressante. Et surtout, dites à vos amis que c'est en préparation, c'est une vidéo préparation d'une grosse vidéo où Serge Lepage va avoir sa place, parce qu'il revient un peu là-dedans. Les Kabyles de Boulogne-Billancourt vont avoir aussi leur place là-dedans. Et surtout, les avocats pas très réglo, parce que pendant que, il faut savoir que pendant que Maître Achoui était à l'hôpital blessé, un magistrat instructeur va demander à ce qu'on fouille son cabinet, mais vraiment le fouiller entièrement, hein, sa voiture, son appartement. Et heureusement que pour ça, un avocat du barreau a été pris, et cet avocat va au moins avoir la décence de dire « Vous n'avez pas le droit de fouiller son agenda. Ça reste hyper méga professionnel, vous n'avez pas le droit. » Sinon, ils allaient le faire aussi, quoi, en fait. Ils le foutent à poil. C'est-à-dire que c'est la victime, il se fait tirer dessus, il se fait assassiner, pratiquement, il est pratiquement mort, quoi. Mais on va chez lui tout fouiller, essayer de trouver des choses. Comme si ça faisait partie, ça aussi, du grand truc, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, ce qu'il arrive à Karim Achoui, ouais. Ah, il y a l'histoire avec Jamel Debbouze, quoi. Ouais. Alors, avant de partir, il faut savoir quand même que le 9-3, il connaît bien Karim Achoui, parce qu'il n'a pas défendu que des gros gangsters, tout ça. Et encore, vous verrez, demain, il y en a d'autres. Ou après-demain, quand on fera le truc, on sera plus complet quand on partira. Enfin, bref, voilà. Il va y connaître une affaire fort médiatique opposant une star du rap, Joey Star, alias Didier Morville, qui s'appelle Didier Morville, donc à la ville, à Jennifer Galin, très jolie top modèle, qui avait porté plainte après avoir supporté des violences conjugales répétées et l'ayant mis en... Attendez, je me lève, excusez-moi. Je me lève pour aller mettre un coup de pied au cul méchant. Moi, je déconne. Ouais, attendez... Donc, en gros, ça fait un départ. Un artiste comique qui montait Jamel Debbouze. Donc, Jamel. Putain, c'est un. Ah, d'accord. Ah, ouais. Donc, Joey Star va mettre Jennifer Galin dans un piteux état. Quoi. Il a mis dans un piteux état. Avait été présenté. Donc, ben voilà, Achoui, il va pas défendre Joey Star, il va défendre Jennifer Galin, quoi. Jennifer Galin m'avait été présentée par un artiste comique qui montait Jamel Debbouze, dont j'avais fait la connaissance grâce à Antonio Lages lors d'une sortie sur les Champs-Élysées. Debbouze n'était pas encore le grand humoriste qu'il allait devenir, mais déjà, sa présence et sa chaleur dénotaient. C'est Antonio Lages, le gros braqueur portugais du 9-3, qui va présenter Debbouze, qui à l'époque est à peine connu. Hallucinant, hein. D'ailleurs, Debbouze connaît Antonio Lages à cette époque. On sait que Debbouze va être ami avec une autre personne, on en parlera la prochaine fois, des frères dont un. Qui va être suspecté d'être derrière l'assassinat du Belge, mais c'est un tuyau percé, comme on dit, quoi. Talata qui va se faire assassiner par une famille de Harki, il me semble, de Dreux, non, ou de Chartres, enfin, par là-bas, quoi, bref. Pareil, pour 10-20 kilos C'est assez hallucinant, quoi. C'est assez hallucinant.
C'est... Ouais. Parce que tu... Un gars comme lui... Yass, 34, alors les courbes. Ah, passage pour dire merci pour soldat, il s'est fait opérer hier, Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, merci aux autres qui ont pensé à lui, c'est pour ça que je vous rassure. Ah, merci beaucoup, Aïcha Fek, Mskin. Ah, ouais. Merci, Yass, putain. Ah, tu lui diras Allah, tu lui diras Jojo, voilà. Et... Ah, ouais, Yass. Ouais, tu lui diras Allah, paf, il attendait, quoi, il est heureux, quoi. Ben, ça s'est bien passé, Alhamdoulilah. Ouais. Ah, ouais. Merci, Hassan. Eh, merci Hassan, mon frère. Oui. Ouais. Et merci Yass 34, frère. Ouais, Yass. Tiens, je viens de voir ton message, frérot. Quoi. Voilà. On est rassuré, frérot. Moi, j'attendais, quoi. Tu sais, j'envoyais des petits messages aux soldats, ça n'était pas bien. J'attendais, peut-être, comme tu dis, un frère qui va venir, il va nous en parler. Alhamdoulilah, merci. Voilà, on voit des bonnes nouvelles. Et bah, c'est cool. Ouais. Bah, Yass, tu diras soldat, hein. Voilà, il est heureux. Et t'embrasse fort. Voilà, tu dis, je l'embrasse fort. Merci, mon frère. Ah ben inchallah, voilà. Merci beaucoup. Au moins on va dormir bien, quoi, t'as vu. Taf, tranquille, on sait que ça va maintenant. Je savais que ça allait de toute façon, voilà. Tu sais que je le sentais, quoi. Voilà. Je sais qu'un frère il m'aurait appelé, sinon vite fait, quoi. Ah ben tant mieux. Qu'il se repose, voilà. Quand il est bien, voilà, qu'il appelle. Faut pas qu'il se fatigue et tout, quoi. Faut pas qu'il. Merci, Yass. Ah ouais, j'ai dit c'est le frère. Hein. Ouais, merci beaucoup. Merci mon frère. Eh ben les amis, purée, ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Et on va finir sur cette note d'espoir et de qualité qui nous fait super plaisir. Eh ben le frère, voilà, il a fait ce qu'il fallait. Et ça s'est bien passé. Et maintenant, en plus, c'est très douloureux. Moi, je voulais pas lui dire, quoi. Je voulais pas lui dire parce que, mais je sais que c'est très, très douloureux ce qu'il a fait. Ma compagne, elle m'a dit, quoi. Elle m'a dit, écoute, son frère. D'accord. Ah, ben d'accord. Ouais. Ouais, elle m'a dit, son frère m'a appelé sûrement parce que lui il est pas bien. D'accord, regarde, voilà, tu dis à son frère, pas de problème, je suis là et je l'embrasse fort. Ouais, son pro, ouais. D'accord. Et ouais, il m'a dit, bon, là, il y a le quartier, ils sont là. Ils ont apporté à manger, tu sais, il m'a dit. À chaque fois, il n'a pas envie d'y voir, le frère, il me dit, oh là, il y a trop à manger, frère. Et moi, plus, tu sais, je lui disais, je dis, putain, c'est pas bon là-bas, tu sais, au début. Il me dit, t'inquiète pas, regarde, il me dit, le quartier m'amène à manger tous les jours. La famille et tout, ta taf. tu vois, tu sais, il y en a, ils vont à l'hôpital, ils maigrissent, il m'a dit, moi, je vais à l'hôpital, là, je maigris pas, je peux pas, quoi. Il me dit, il y en a trop, quoi. Même ils donnent aux gens, tu sais, aux malheureux et tout. Ah, c'est bien, il a du cœur. Ça, moi, j'ai des gens qui ont du cœur comme ça. Il m'a dit, je leur donne d'un à côté, tata. Les gens sont contents. Yes, c'est bon, ça. Ah oui, c'est très bon. Tu l'embrasses fort, mon frère. Hein. Tu l'embrasses sur la tête. Tu lui dis, on est heureux. Et tu lui dis, frère, on veut voilà, qu'il se repose à fond. Et on veut qu'il revienne en grande forme. Mais il faut qu'il se repose, c'est ça qui est important. Maintenant, il faut le mode repos, tu vois. Ouais. Moi, je me suis pas assez reposé. Après, t'as vu, je regrette. Il faut se reposer, c'est important. Et on pense à lui et on lui fait des beaux lives pour lui, quoi. Voilà. Et voilà, frère, ouais. Eh ben, merci, Yass, frère. Voilà, je t'embrasse fort et j'espère on se verra bientôt, Inch'Allah.
Merci, Shultai Jacking. Shultai Jacking, le frère qui nous dit bon rétablissement, soldat, force. Ouais. Eh ben, c'est chouette. Ouais, tu vois, comme quoi, il y a un truc qui me disait attends un peu. J'attendais, tu vois. Tu as vu, paf. Yarbi, tu sais, fait bien les choses. Yas, le frère, il est passé. Yas, c'était un bon. Yas 34, c'est, attention, c'est la famille. Ouais. Ah, il dit l'hôpital 50 gitans, voilà, gitanos. Ah, ben. La famille, elle est là. Eh ben oui, ah oui, quand il y en a un, il n'est pas bien, il faut bouger pour lui, c'est important. Ouais. Chez le soldat, il bouge pour les frères. C'est pour ça, les frères, il faut bouger pour lui, ouais. Et ouais, c'est important. Merci à vous. Merci à vous, vous êtes des bombes. Et voilà, c'est chouette, la famille. Et merci, Shultai Jacking, le frère. Ouais, il dit bon rétablissement, soldat, le frère, force. Ouais, bon rétablissement, mon soldat, mon frère. Hein, si jamais, si tu nous écoutes, bon rétablissement, le frère, Walda. Repose-toi. Et après, tu reviens à 300 000 km/h. Voilà, ouais. Eh ben, voilà, sur ces bonnes nouvelles, on va pouvoir se quitter. Là, parce que là, c'est le top. Et voilà quoi. Et on fera donc ah ben je sais frère, oui tu me l'as dit, ouais, voilà, tu me l'avais dit mon frère, et ça m'a touché, ouais, j'attends d'avoir, tu sais, la santé bien, tu sais, là ça va, ça y est là, c'est juste encore un peu de réduc, un peu de ceci, un peu de, tu sais, regonfler un peu les muscles, tout ça. C'est pour pouvoir marcher bien tranquille et ça y est, quoi. C'est une question de semaine, quoi, de bientôt. Ouais. Merci, mon frère Yas. Yas 34, je t'embrasse fort à 10 000%. Le soldat, voilà, je l'embrasse fort à 10 000%. Tous ceux qui sont avec lui et tous ceux qui pensent à lui, je vous embrasse fort à 10 000%, la famille. Et ben, voilà. On va dédicacer le live au soldat. Voilà, ce live, il était pour lui. Et voilà, quoi. Et ouais, il est KO, le frère, là. Ouais. On va le laisser bien se reposer. Et quand il a la forme, de toute façon, il appelle quand il veut. Moi, je voulais pas le déranger ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis passé par là il y a pas longtemps. Et je sais que quand on est à moitié, paf, ou là, on est à moitié, frère, pff, oh, on peut rien me faire. On veut même pas parler, des fois. Des fois, je n'arrive même pas à parler, quoi. Eh ben, voilà. C'est chouette. Voilà. Ça se finit sur une belle note. Et voilà. Bonne nouvelle. Voilà, notre soldat national, le frérot, il s'est fait opérer. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Allah, ça a fait que mon frère. Ouais, ça a fait croire. Merci. Et le frère, ben voilà. Il est en train de se remettre, la santé. Ça s'est bien passé, c'est le plus important. C'est la nouvelle du soir, la grosse nouvelle. Ça passe devant l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, je ne sais pas où, la Birmanie, les États-Unis, Biden, Macron, la Corée du Nord, tout ce que vous voulez. Le soldat, la famille s'est fait opérer. Moi, demain, je vais appeler, comment il s'appelle, RMC. LCI, je sais pas quoi, je vais leur dire, vous mettez l'info, le soldat, il s'est fait opérer et il pète le feu. Et voilà, quoi. Eh ben, c'est cool, on va pouvoir dormir bien comme il faut. Je vous embrasse, la famille, et merci à vous toutes et vous tous. On a encore 35 à 3h20 du matin, quoi. C'est énorme. C'est super, on était 45, je sais plus combien, et c'est bien, et ça tournait, et c'était chouette. À un moment, on était peut-être plus. Voilà, quoi. Donc, n'oubliez pas, bientôt, gros live sur Karim Achoui. J'espère le soldat, il sera là, ou au moins, il pourra l'écouter, parce que ça vaut le coup, et c'est ce qu'on appelle une affaire d'État. Une affaire d'État. Voilà. Je vous embrasse à toutes et à tous. Yas, mon frère, je t'embrasse fort. Yas. Bon, ça. Voilà, mon frère.
Le meilleur chat du monde. Hein. Voilà, le meilleur big chat. Merci à vous, le chat. Hein. Merci à Paul Valéry, au Petit Bar. Et merci, gros boussa à Ayas. Gros boussa à vous toutes et vous tous, au Tajatin. Merci, merci, Hassan. Merci à vous, la famille. Quoi. Et méga big. Merci, merci. Et bonne nuit à vous toutes et vous tous, les amis. Et merci beaucoup. Salam, la famille. Salam, avec des nouvelles superbes, quoi. Ah, des bonnes nouvelles. Alhamdoulilah, ça va nous mettre bien, quoi. On va bien dormir. Super. Tu vois, j'ai mieux que de cogiter, de réfléchir. Au moins, voilà. Merci, Shoutai Jacking. Merci, mon frère. Merci beaucoup, Roya. C'est moi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Salam, la famille. Yas, Shouta. Hassanoux. Hassanoux du Rif. Walid. Walidou. Attendez, Gentifé. Stokero. Attendez, Stokero. Gentifé. Hassan. Pepito 06. Esman. Voilà. Voilà, voilà. Mettez un petit pouce, si vous pouvez, la famille, un petit pouce, ça fait plaisir, si vous pouvez, ou plus tard, ou mettez-le maintenant, si vous pouvez, pour pas oublier. En tout cas, voilà, le Parisien CDLP, et force à tous ceux qui taffent, force à ceux qui sont en prison, et force comme ceux qui sont comme le soldat à l'hôpital. Force à vous toutes et vous tous, et force à ceux qui sont seuls, force à ceux qui, voilà, force à tout le monde, quoi. Courage. Courage et bis aux soldats, bis Yas, bis la famille, bis tout le monde. Et merci, merci, merci à vous. Salam la famille, ciao, ciao. Bonne nuit, dormez bien. Force à vous, la famille. Il y en a encore 34, ça fait chier de fermer, mais il faut bien fermer un moment. Salam, ciao, pace salute. Shalom et grand bonsoir chez vous à tout le monde. Peace, la famille.